Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1, le 39-21, comme tous les soirs pour nous rejoindre. D'ailleurs, nous sommes là, de pied ferme, et j'attends vos appels. Parce que, comme tous les soirs, nous allons parler, bavarder, échanger sur ce qui vous intéresse et surtout sur ce qui vous touche. On parle aussi bien de ce qui vous fait vibrer que de ce qui vous inquiète ou de ce qui vous chagrine. Il n'y a pas de sujet tabou. On cherche ensemble une solution ou un début de solution à toutes vos inquiétudes. Je suis à votre écoute. Vous avez une question, je réponds comme je peux. On réfléchit ensemble. Bien, on parle tout simplement parce que ça fait du bien aussi et quelquefois même ça sert à casser un moment de solitude ou bien tout simplement à faire passer un message à vos proches. Voilà, 39-21 pour me rejoindre et passer ce soir avec moi à l'antenne. Et puis 739-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Vos mails sur notre site europe1.fr. Je crois que j'ai cité tous les moyens d'accès pour participer à cette libre antenne. Mais cette libre antenne, je ne la fais pas seule. Merci à Fifi, aux manettes qui réalisent cette émission. Comme tous les soirs, avec la même dextérité. Le même brio. Merci aussi à Thomas et à Lauriane qui vont vous accueillir tout au long de la soirée au standard, toujours avec la même patience et la même gentillesse. Voilà, nous sommes prêts, on peut commencer. Europe 1. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Le 39-21, je ne vous le répéterai jamais assez. Et tout de suite, je vous propose de commencer cette émission avec Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ah, je vous entends pas du tout. Bonsoir. Mais vous êtes très très loin de votre téléphone. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher parce que j'ai un son étouffé qui me parvient comme si vous étiez caché au fond d'un tunnel. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ça y est, vous êtes avec nous. Oui. Bon, je crois que vous appelez parce que vous avez des soucis avec votre ami. Oui. Vous êtes avec lui depuis combien de temps, Nathalie? Ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais ça fait, je pense, 6 ans qu'on habite ensemble. Oui. Alors, il était... Nous sommes tous les deux divorcés, chacun de notre côté. On a des enfants. Et je savais qu'avant d'habiter ensemble, alors c'était lui qui était plus demandeur et je savais qu'il buvait et j'avais soulevé le problème et en me disant, son argument a été de me dire, oui mais si je suis avec toi, tu sais, je serai plus tout seul le soir, je peux voir plus. Oui. Alors j'ai cru, j'avais le désir de... d'avancer, de voilà, donc voilà. Ça aurait pu se passer comme ça, mais à condition qu'il le veuille vraiment arrêter. Non, en fait, je me suis rendu compte que non, il y a eu des tentatives, il y a eu des... mais ça n'a jamais abouti, ça n'a jamais rien donné. Qu'est-ce qu'il a essayé? Comment il a tenté d'arrêter? Alors, il a tenté d'arrêter par médicaments. Donc, il a vu un médecin? Voilà, c'est ça, il y a 3 ans à peu près, je crois. Donc quand même 3 ans après que vous ayez commencé à vivre ensemble? Oui. Ah. Il a tenté de voir un suivi psychologique. Donc il est suivi, ça continue par il voit assez régulièrement une infirmière psy. Une infirmière? Oui, ouais, le psychiatre, il en a vu un, et puis le psychiatre a voulu donner des traitements qu'il n'a pas voulu prendre. Il s'est dit, il a estimé que le psychiatre ne l'écoutait pas. Donc il a demandé à en changer. Il l'a vu qu'une fois, parce que c'est très très long pour avoir un rendez-vous.
À l'hôpital? Oui, enfin dans le public. Oui. Oui. Et puis en fait, il a fait une chute. Alors bon, c'est tout, ça se passait, hein, les jours se passaient. Bon, certains jours, quand il buvait plus que d'autres, je lui disais, bah écoute, tu es incohérent ce soir, je te parle pas, de toute façon, ça sert à rien, demain, tu te souviendras pas. Et puis c'était tout, quoi. Ça n'arrivait pas si souvent que ça. Et puis, le 29 juin, il a fait une chute. Vers 19h, il avait bu avant. Alors moi, j'étais absente. Il avait bu avant. Il a fait une chute. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est cassé le poignet et il s'est blessé une plaie au coude. D'accord. Parce qu'il était sous? C'est-à-dire qu'il n'était pas sous, il avait bu, donc ça a dû altérer son discernement. Et puis, il a grimpé, enfin, il a voulu... Enfin, c'était une situation assez particulière, quoi. Il a enjambé dans le jardin, il a enjambé un grillage, mais bien trop pour lui, puis il est tombé. Il est tombé, voilà. Bon. Et donc, il a essayé de me contacter. Moi, je travaillais, j'ai répondu un moment après. Enfin, pour moi, c'est à 20h quand même, on était aux urgences. Là, bon, il a été soigné, il a été pris en charge. On est rentré à la maison et puis deux jours après, alors il avait très très mal au dos, forcément il était tombé aussi sur le dos, il avait très très mal au dos et puis le dimanche soir, complètement coincé, impossible de bouger. D'accord. Donc des ambulanciers sont venus le transporter à l'hôpital, d'urgence aussi, et puis à l'hôpital, ils l'ont gardé une semaine. Et là, ils ont commencé un sevrage. Ah bah forcément, parce qu'à l'hôpital, on ne vous distribue pas de boissons. Hein. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit. Alors au début, je n'avais pas tout de suite compris qu'il y avait un sevrage. Les premiers jours, je n'ai pas compris. Mmh. Enfin, je sais bien que l'hôpital ne vous sert pas de boissons, hein, mais il était sous Valium. Et moi, le Valium, je croyais que c'était pour la douleur. Je ne pensais pas que c'était pour... Non, pas du tout, c'est un calmant. Je ne pensais pas que c'était pour l'alcool. Bah oui, mais je pensais que c'était un calmant pour la douleur. Oui. Parce qu'il avait horriblement mal. Donc, voilà, j'ai pas compris tout de suite que ces médicaments, c'était pour le sevrage. Et puis, une semaine après, le vendredi, il est rentré à la maison. Et là, à peine rentré, le soir, il a demandé un verre de rosé. Alors, je lui ai dit, tu sais, avec tes médicaments, quand même, ça, c'est pas bon. Et puis, il m'a dit, mais non, je maîtrise, je contrôle, je gère. Alors, j'ai dit juste un verre. Donc, on a négocié comme ça. Et puis, le samedi, je me suis rendu compte que la dose de médicaments était bien trop importante. Il titubait du matin jusqu'au soir. Il titubait. Moi, à chaque pas qu'il faisait, j'avais peur qu'il retombe. Et puis, donc, je lui ai dit, écoute... alors, le lundi, il devait aller voir le médecin. Je lui ai dit, écoute, j'ai rien avec toi. J'ai le médecin. Faut lui dire que ça va pas, quoi. Et puis, il a refusé que je revienne avec lui chez le médecin. De retour chez le médecin généraliste lui a baissé la dose de médicaments. Elle lui a dit, effectivement, c'est très très fort, il faut baisser. Et puis, il a continué à boire, alors un verre de rosé le matin, enfin le midi, et un verre le soir, voire deux. Hein. Bon. Et puis, le mercredi, il avait rendez-vous à l'alcoologue. Alors pendant trois jours, j'ai insisté pour aller avec lui. Alors un jour, il me disait oui, un jour, il me disait non. Et puis j'ai tellement pensé à insister qu'il a accepté que je vienne. Au rendez-vous, l'alcoologue a dit, écoutez, je ne vois que monsieur. Et donc j'ai insisté un peu. Elle m'a dit, à la fin de l'entretien, je vous prendrai 5 minutes. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Je lui ai expliqué, alors il avait dû dire qu'il continuait à boire d'alcool avec le traitement. Moi, je lui ai décrit son état en disant, mais là, moi, je le vois tituber longueur de journée. Il a déjà un poignet dans le plâtre, il est déjà blessé. Moi, je le vois tituer toute la journée, il est hagard, il a les yeux hagards. Alors, elle en a convenu, elle m'a dit, et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que le sevrage n'a pas continué à l'hôpital? Et elle m'a dit, mais parce que de toute façon, là où dans le service dans lequel il était hospitalisé, c'était pas un service d'addictologie. Et que de toute façon, dans son service à elle, il n'y avait pas de place. Donc je lui ai dit, mais écoutez, je ne comprends pas comment avoir donné un tel traitement à quelqu'un
à quelqu'un qui est physiquement diminué et qui me donne de tomber à chaque pas. Elle m'a dit, ben, effectivement, elle me dit, j'étais un peu trop forte, je vais diminuer progressivement les doses. Bon, donc on est ressorti, je suis ressortie assez rassurée. Et puis, ben, ça n'a rien changé. Le mercredi soir, il a redemandé le verre de rosé. Alors après, je lui ai dit, ben, on va refaire, quoi, parce que bon, c'est quelqu'un qui a d'autres maladies. Donc, dans la journée, il doit prendre 20 à 25 médicaments. Quand même. Donc, il a un pilulier. Et puis, il s'est dit, ah, je vais refaire tous mes médicaments. Je vais faire les bons dosages et tout ça. Et puis, soi-disant qu'il n'a pas trouvé le bon pilulier qui lui convenait. Enfin, voilà, il a... Bon. Bref. Donc, il m'a dit, oui, mais j'ai pas le bon pilulier. Je commence demain. Après, il m'a dit, après, c'était le week-end. Il m'a dit, écoute, ce week-end, on fait un plan ensemble. Dès que je fais une erreur, ben, on la note. Puis si un jour c'est positif, ben, on notera aussi. On notera ce qui a déclenché le fait que je boive ou pas. Donc, j'étais d'accord. Donc, tout le week-end, j'ai dit, ben, alors, on s'y met, on fait ce plan. Puis, il m'a dit, ah non, pas, on fera demain. Et à chaque fois, c'est remis au lendemain. Et puis, donc là, aujourd'hui, bah, depuis ce matin, de toute façon, je râle parce que il faut qu'ils prennent aussi rendez-vous pour avoir de la rééducation pour le point B. Et naturellement, là, je ne souviens plus où est-ce qu'il a mis l'ordonnance. Enfin, tout est comme ça. Je ne peux pas avoir de conversation parce que de toute façon, il me dit que je ne comprends rien. Si je lui dis, demande quelque chose, bah, c'est pas fait, il oublie tout. Les lumières allumées, il oublie de prendre certains médicaments. Enfin bon, bref, c'est le grand n'importe quoi. Ah oui, comme vous dites, hein, c'est le bazar. Ah ouais, et ce soir, ben, vers 19h15, il est descendu, et je l'ai vu, il est tombé, sur une marche, il a rebondi, et je suis allée me mettre devant pour le stopper, pour pas qu'il se retrouve la tête cognée quelque part, quoi. Bon, voilà. Et quand je lui ai dit, mais enfin, tu vois bien? Il me dit, oh, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Et vous trouvez que c'est rien, vous? Ben non, mais moi, sauf que moi, je ne sais plus quoi faire. Alors, tout ce qu'il m'a dit ce soir, il m'a dit, eh ben écoute, tu as toutes les bonnes raisons de me quitter, quitte-moi. Ben oui. Il vous donne le mode d'emploi? Alors, je lui dis, ben si c'est ce que tu veux, tu t'y prends bien. Mmh. Que vous dire, Nathalie, que vous ne sachiez déjà? Vous savez tout d'avance, en fait. Vous le saviez avant, vous avez essayé d'y croire. Mais, et lui aussi, peut-être. Mais quand, tout de même, au bout de 3 ans seulement, il se décide à voir un médecin, alors que vous me dites que ça fait 6 ans que vous vivez ensemble. Donc, 3 ans après seulement, il est d'accord d'aller voir un médecin pour essayer. Je disais jamais rien. Ah oui, pourquoi? Il a des problèmes. Parce que je me disais, c'est son mal-être, parce que je vais essayer de lui faire oublier son mal-être, parce que voilà. Quand... Mais enfin, au bout de 3 ans, vous vous êtes bien rendu compte que la maladie était plus forte que vous. Je suis quelqu'un de très, très patient. Je me dis, justement, c'est une maladie. Je me dis, non, on guérit des maladies. Je suis vous avez tout à fait, patient. Vous avez tout à fait raison, Nathalie. On guérit des maladies, mais à condition de les soigner. On ne guérit pas des maladies qu'on ne soigne pas et qu'on laisse s'installer et qui ne font que s'amplifier avec le temps. Moi, je vous rejoins, on guérit des maladies. Vous aviez toutes les bonnes raisons d'y croire. Quelqu'un qui vous dit, si tu viens avec moi le soir, je serai plus seule, j'aurai moins envie de boire. Sauf que vous avez sous-estimé juste un paramètre important. Il peut pas s'arrêter comme ça, précisément parce qu'il est malade. Et à quoi on reconnaît une addiction? C'est que vouloir n'est pas pouvoir. Même s'il le voulait, tout seul, il ne le peut pas. C'est impossible. Il faut être aidé. Et il faut être aidé, vous avez tout à fait raison, là je vous rejoins, par le corps médical. Il faut être médicamenté. Il faut que... On ne peut pas vous laisser comme ça pendant une semaine, juste en vous disant, avec la seule volonté, tu vas arrêter ça. Ça arrive, mais il faut une volonté, croyez-moi, énorme. Et c'est très très difficile. En revanche... Pendant les 15 premiers jours, on vous donne des médicaments, vous êtes sous benzodiazépine, hein, la plupart du temps. Ouais. Et puis, c'est ce qui vous permet de vous sevrer. Mais après, on continue les médicaments, on continue l'hospitalisation, parce que pour arrêter l'alcool, il faut être hospitalisé, donc il faut s'y prendre quand même un petit peu de temps à l'avance, parce que vous avez raison. C'est ce qu'avait dit l'alcoolologue. Elle a dit, bah, écoutez, pour qu'il soit hospitalisé, il faut que ça fasse partie d'un programme. Bah, il faut encore faut-il le demander. Vous savez, ça, c'est comme les gagnants au loto. Pour gagner, encore faut-il avoir joué.
Vous êtes bien d'accord avec moi. Oui. Donc, s'il ne s'inscrit pas dans le programme, on va pas aller le chercher chez lui en disant « Drink, ça y est, on a un lit ». Ce sont les lits sont en priorité à ceux qui les demandent, pas à ceux qui ne les demandent pas. Vous êtes, voilà. Donc, s'il ne le demande pas, il n'aura pas de lit et donc on ne pourra pas le soigner. Mais ça se soigne. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les post-cures. Les post-cures qui sont aussi prises en charge et qui durent pendant un mois, deux mois, trois mois, selon le degré de gravité et d'avancement de la maladie et de ce qu'on doit alors, faire. Quand je parle d'être hospitalisée, il me dit oui, mais moi je ne veux pas être hospitalisée avec tous les bafons, quoi. Enfin, je suis désolée, mais. Parce que ce que j'ai dit, mais tu les rejoins. Ben voilà, il ne faut pas se voiler la face. Et vous savez, le principal symptôme de la maladie alcoolique, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le déni. Mmh. Moi, ce n'est pas pareil. Ça, c'est un. Deux, la phrase qui tue et que vous avez extrêmement bien repéré. Je gère et ne t'inquiète pas, je maîtrise, j'ai l'habitude. Ouais, déjà, quand vous entendez ça, ne t'inquiète pas, je gère, vous pouvez commencer à sérieusement vous inquiéter justement parce que on ne gère rien du tout en matière d'addiction. Et que c'est comme si il y avait une petite lanterne rouge qui s'allumait dans le cerveau à la simple vue ou idée du verre d'alcool, de rosé en l'occurrence, et cette petite lanterne rouge va vous dire « vas-y, prends-en, pour toi c'est bon ». Et c'est impossible de lutter sans médecin, sans médicament, sans un entourage, sans tout le consensus et tout l'environnement qui va avec. Là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que quand il vous dit juste un verre, vous le lui tendez. Même si vous lui dites « est-ce que tu crois à les médicaments ?», malgré tout, ce verre, vous le lui donnez. Et là, sans le savoir, à votre insu, j'insiste là-dessus parce que je voudrais que vous en soyez consciente, l'idée n'est pas de vous culpabiliser, mais c'est de vous faire prendre conscience de quelque chose. Mais à votre insu, vous êtes complice. Vous êtes... Alors, oui. Ces derniers jours, je me suis dit non, je dis parce que là on va toi... devant l'alcoolique, je lui dis, mais si tu continues comme ça, moi, je te donne une corde pour te pendre. J'ai été directe, mais bon, je crois que c'était clair. Et du coup, je me suis dit, on avait entamé une bouteille, la bouteille était finie. Et du coup, j'ai dit, moi, je ne m'achète plus. Si tu veux, tu vas faire les courses toi-même. Cet après-midi encore, je lui ai refusé. Je lui ai dit, non, moi, je ne me déplacerai pas, je n'irai pas. Tu te débrouilles toi-même. Puis après, si même sur mon déplacement, il tombe, je me suis dit, tant pis. Non mais c'est pas tant pis, c'est-à-dire que s'il revient avec des bouteilles d'alcool devant lui, vous les ouvrez, vous les videz, vous les mettez dans l'évier et à la poubelle direct. Si vous en voyez une qui traîne, vous la videz entièrement, parce que la seule façon d'arrêter de boire, ouais, ça là, paraît là, ça. Là, je dois dire que j'ai pas le courage, là j'ai peur. Mais vous avez peur de quoi? Il a jamais été violent. Jamais, il ne le sera pas. Alors il ne le sera pas. S'il n'est pas violent, il ne le sera pas. Voilà. Donc tant pis, de toute façon, vous savez, il y a aussi des gens qui n'existent que par la maladie. Et il est en train, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous donner le mode d'emploi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, spectatrice de ce qui est en train de se passer, ça a déjà beaucoup moins d'intérêt. Il va être tout seul. Quand il va être tout seul, oui, il va plonger. Mais au moins, il va, lui, tout seul, décider de se relever. Parce que pour l'instant, lui, il l'a pas décidé. Vous voyez bien qu'il tourne autour du pot. Il veut pas y aller. Il veut pas y aller, il prend pas les médicaments, il décide au départ que les médicaments c'est trop fort, le psychiatre il lui convient pas parce qu'il l'a pas écouté, il voit une infirmière psy, qu'est-ce qu'elle peut la malheureuse, une fois par mois. Il la voit régulièrement, c'est elle qui l'aide de plus, mais enfin, quand même, pour l'instant, si on en juge juste sur le résultat, il s'est rien passé, il est toujours alcoolique, et il n'est pas si tôt sorti de l'hôpital et sevré qu'il réclame un verre d'alcool. Donc moi, j'appelle pas ça une franche réussite. Vous voyez bien qu'il faut quelque chose de plus que cette infirmière psy. Et Dieu sait si je trouve les infirmières en psychiatrie absolument fantastiques et formidables. Elles font un travail remarquable. Mais c'est toute une équipe. Une toute seule, elle ne peut rien, la malheureuse. C'est-à-dire que ça a été la seule qui l'a accepté de voir régulièrement. Bah oui, mais enfin. Et avec qui, alors? Il a parlé d'autre chose que de ses problèmes d'alcool. On est bien d'accord, mais c'est la seule qui l'a accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut continuer d'être malade. C'est-à-dire qu'il refuse de se soigner. Pour l'instant, on en est là, Nathalie. Et c'est ça que vous devez entendre. C'est que pour l'instant,
il ne veut pas se soigner. S'il ne veut pas se soigner, virgule, ça veut dire quoi? Qu'il ne veut pas arrêter de boire. Donc, est-ce que vous allez rester avec un homme qui vous promène depuis 6 ans et qui, au fond, ne veut pas arrêter de boire? La seule façon pour qu'il arrête, et il vous le dit d'ailleurs, quitte-moi. C'est à ça que vous devez réfléchir. Mais je vais vous dire, vous n'allez pas avoir d'autres solutions. Parce que ou vous êtes avec lui et vous continuez de lui servir son verre de rosé, ça revient au même, ou vous partez, et là on a une chance qu'il s'en sorte. La seule chance qu'il s'en sorte, c'est de ne plus rien faire. Ne rien faire est thérapeutique. C'est un acte thérapeutique. Beaucoup plus que tout le reste. Parce qu'en fait, ce qui est aussi bizarre, c'est que... En fait, il vit chez moi, c'est ma maison. Mmh. Donc il faut que je mette dehors. C'est pas moi qui vais partir, il faut que je mette dehors. Bah oui, c'est pas grave. Vous le mettez dehors. Vous le mettez dehors en lui disant, quand tu es clean, quand tu es sobre, quand tu es guéri, tu reviens. Mais pas avant. Ouais, mais je peux pas. Ah bah alors... Ça, j'y arriverai pas. Mais alors, vous allez continuer de le regarder s'enfoncer. Oui, mais vous l'aidez à être de plus en plus malade. Il faut être conscient de ça. Je peux pas vous aider. Je vous donne le mode d'emploi. Oui. Et lui aussi vous d'ailleurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais bien sûr, mais j'ai eu des choses très difficiles. Et je me disais, oui, il y a l'alcool, mais bon, à côté de ça, on s'entend bien. À côté de ça, il y a des bons côtés. Il y avait plein de choses qui compensaient ça. Oui, mais bientôt, l'alcool va prendre le pas sur tout le reste. Écoutez, quelqu'un qui commence avec du rosé dès le matin, vous imaginez bien ce que ça donne enfin, déjà. Non, tout à l'heure, j'ai fait un appel. C'est pas dès le matin, c'est le midi, mais bon, le soir, je suis grand large. Il y a plein de choses aussi qui voient que je ne vois pas. Bien sûr. Nathalie, ça ne va pas aller mieux. Ça ne va pas aller mieux, ça je peux vous le signer. Ça fait déjà 6 ans. Alors, ou vous le prenez par la peau du cou, retournez voir l'addictologue et vous lui dites, voilà, maintenant on va faire partie du programme, tu vas accepter de te soigner parce que sinon, moi je ne vais pas continuer comme ça. Donnez-lui une chance en disant, ou tu acceptes de te soigner, maintenant s'il n'y a pas de médicaments, si tu ne veux pas te soigner, si tu veux continuer à boire, c'est sans moi. J'ai pas d'autre solution, hein. Non, parce que je veux pas le mettre au pied du mur. Mais il y a que ça. Il y a que ça. Comment voulez-vous qu'il arrête de boire sinon? Oui, tu pourras boire un petit peu, mais pas tout de suite. La première année, de toute façon, quand on est alcoolique, pour se sortir de l'alcoolisme, c'est l'abstinence complète. Alors, il y a quelques années, il avait déjà fait une cure. Je sais pas combien d'années ça remonte. C'était avant qu'on se connaisse. Il en était ressorti très content. Ça s'était très bien passé. Il l'avait fait dans le privé. Bon, il en parle toujours en bien. Il me dit, ah, quand j'étais là, bon, voilà. Et je lui ai proposé, je dis, demande à un médecin pour être hospitalisé. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Et il me dit, ah non, j'ai eu droit une fois à ce genre d'établissement, je n'aurais pas deux fois. Bon, qu'est-ce qu'il en sait? De toute façon, il peut déjà commencer par essayer dans le public. Alors, de la part de Patricia, petit SMS. J'ai une amie qui a vécu exactement la même chose que Nathalie et, au bout de 15 ans, elle a décidé de partir pour de bon. Il a enfin accepté de se faire soigner. Donc voilà, moi je vous le dis, je peux vous le répéter et vous le répéter en boucle, il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est de le mettre dehors, mais c'est pas... La solution, vous le mettez dehors. Commencez, si vous voulez, en disant, voilà, vous vous réveillez demain matin en disant, tu es encore tombé ce soir, j'ai encore dû me mettre devant toi pour t'arrêter et empêcher que tu ne roules jusqu'en bas sur les marches. Alors maintenant, c'est simple. Ou on va, toi et moi, ensemble, voir l'addictologue et tu t'inscris dans le programme et tu prends les médicaments et tu fais ce qu'il faut pour te soigner et tu rentres dans le programme. Et donc, tu acceptes de te soigner et d'arrêter de boire. Et si tu ne peux pas, si tu ne veux pas, eh bien, à ce moment-là, effectivement, tu vas continuer à boire, mais sans moi. Et tu prends ta valise et tu t'en vas. Et croyez-moi, en faisant ça, vous l'aidez 1000 fois plus qu'en le laissant avec vous. Parce que là, vous ne l'aidez pas. Vous êtes complice. Pas complice, c'est-à-dire complice. Que j'ai pas...
j'ai pas le bon mode d'emploi. Même l'alcoolologue m'a dit, oui, c'est dur pour les gens, pour la famille. Mais là, elle a dit, c'est dur. Du coup, elle n'a pas proposé. Elle m'a dit, elle, comme elle a dit, mais j'accompagne. Quand je lui ai dit, mais il risque de vous laisser comme ça quelqu'un avec des médicaments et blessé. Et elle m'a dit, oh, des gens qui chutent, j'en ai vu beaucoup. Ah oui, elle a l'habitude. Mais elle est addictologue, elle est médecin, elle n'est pas son psy. Oui. Il a besoin de voir un thérapeute. Il a besoin de alors, s'arrêter. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais là, les médicaments, ça suffit pas. Il faudrait un suivi psy. Et il m'a dit, ah oui, je peux en consulter un, hein, il faut que je prenne rendez-vous. Voilà, quoi, c'est tout. Oui, il va vous dire, il va vous promener comme ça encore un peu plus longtemps. Ça fait déjà 6 ans. Pourquoi voudriez-vous que ça change? Qu'est-ce qui a changé au bout de 6 ans? Rien. Pourquoi est-ce que ça changerait maintenant? Il n'y a pas de raison. On a évolué ensemble. Vous avez évolué ensemble. Bon. Oui, concernant l'alcool, est-ce qu'il y a une amélioration, oui ou non? Comment? Est-ce que depuis 6 ans, concernant l'alcool, vous avez noté une amélioration? Non. Oui ou non? Non. Bon, voilà, c'est tout. Vous avez la réponse à votre question. Je suis désolée, je suis dure, mais parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que vous pensez bien que s'il y en avait une autre, d'abord je vous la donnerais tout de suite, et puis ensuite, elle aurait marché. Or là, vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas se soigner parce que, et je vous l'ai dit, et c'est la maladie qui fait ça, il est dans le déni. Je suis pas malade, je bois, mais pas plus que ça, et je gère. Ça s'appelle être dans le déni, c'est-à-dire ne pas reconnaître qu'on est malade. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne se fait pas soigner, puisque dans sa tête, il n'est pas malade. Pourquoi voudriez-vous qu'il se soigne ? La seule façon de lui faire comprendre qu'il est malade, c'est que vous le mettiez dehors. Et c'est aussi qu'il se fasse soigner. J'ai trop peur de... De quoi ? Je vais passer pour la méchante. Ah mais non ? Mais si, regardez, parce qu'il y a une autre façon de faire. Enfin, il n'y a pas... Je suis d'accord avec vous, que ce serait certainement la meilleure solution. Mmh. Je le mets dehors, mais mon entourage, ses enfants ne vont pas comprendre. Hein. Et ça va être, et s'ils s'enfoncent encore plus, si au contraire ils décident de ne pas soigner, s'ils s'enfoncent encore plus, ce sera moi la responsable. Ah non, pas du tout, c'est lui. Lui, il a toujours le choix, hein. Il a un libre arbitre, lui, il peut se réveiller, se dire tout seul, j'y arrive pas, c'est trop dur, je suis vraiment pas bien, je n'y arrive pas tout seul, je vais aller en direction de l'hôpital, m'inscrire dans le programme et décider de me faire soigner. Il a un libre arbitre, hein, le matin, quand il se réveille, cet homme. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne le veut pas non plus. Mais ce que je reproche aussi, cet après-midi, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais arrête tous les médicaments, parce que en fait, c'est surtout ces médicaments qui ne... J'ai dit, mais arrête tous les médicaments, et la prochaine fois que tu vas à l'alcoolologue, tu lui dis que ça ne marche pas, que tu n'as pas réussi. Parce qu'en fait, actuellement, ce qui va pas, c'est le mélange alcool-médicaments. Qui font qu'il est incohérent, qui font qu'il ne tient pas debout. Et je lui dis, mais arrête tout. De toute façon, comme il mélange tous les médicaments, je dis, arrête tout. Et puis, quand tu reverras l'alcoologue dans maintenant 3 semaines, quand tu la reçois, et ben tu lui dis que tu veux pas et que tu veux que t'as pas réussi à suivre le traitement. Écoutez, je crois qu'on n'en est plus là. Je crois qu'il faut que vous le preniez par la main et que ce soit pas vous qui décidiez du traitement, mais le médecin dont c'est le métier. Parce que le médecin sait seulement, comme elle, comment le faire arrêter. Par contre, ce qu'il faut, c'est décider que vous alliez tous les deux voir le médecin. C'est ça le plus important. Et qu'il soit d'accord d'aller le voir et d'accord de prendre un traitement. Parce que sans traitement, il n'arrivera pas à arrêter, croyez-moi. Je vous reprends tout de suite après le journal, Nathalie, s'il vous plaît. Parce que je voudrais qu'on parle quand même, vous et moi, d'un dernier moyen qui peut exister. Et je vous retrouve tout de suite après. Ne raccrochez pas. À dans quelques instants. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
Bien, on reprend la libre antenne exactement là où on l'avait laissée. D'ailleurs, maintenant, je vous signale que c'est toujours le 39-21 et que je compte sur vous pour rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire appeler parce que vous avez une histoire à nous raconter ou que vous vous posez des questions, comme souvent on peut s'en poser au début de la nuit, même les soirs d'été. Et puis, parce que même aussi, si on est sous le soleil exactement, ça n'empêche pas les soucis, les inquiétudes et les chagrins, et qu'on est là pour en parler. Et vous le savez comme moi, ça fait du bien de dire ce qui fait un peu mal. Donc, je récapitule 39-21 pour passer avec moi à l'antenne. On a encore, jusqu'à 1h du matin, nous sommes ensemble pour évoquer tout ça. 739-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et vos mails sur notre site europe1.fr. Et on va retrouver, comme prévu, Nathalie. Nathalie, je vous disais, juste avant de s'interrompre pour le flash, vous êtes là ? Allô ? Ah bah j'ai plus Nathalie non plus. J'ai perdu Nathalie également, donc on va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Nathalie, vous êtes là ? Oui. Bah, je vous avais perdu, vous aviez disparu. Je suis contente de vous avoir retrouvé. Pour vous dire que nos auditeurs sont nombreux à réagir et ils ont tous la même réaction. C'est-à-dire... Je vous les lis comme ça, au hasard. Pourquoi Nathalie n'en parle pas à ses enfants ? D'abord. Ensuite, il existe partout en France la ANPAA, prévention, alcoolisme, addictologie, comportant psy, médecin, activité et aide sociale, qui font un très bon boulot dans ce domaine. Donc, si on veut s'en sortir, on peut. Parce qu'il y a effectivement des associations. Moi, ce dont je voulais vous parler, ce sont des AA, c'est-à-dire les alcooliques anonymes, qui font aussi un excellent travail. Sauf que quand on y va, il faut décider d'être sobre, parce qu'on peut pas y aller et s'alcooliser. Ensuite, des SMS qui disent « J'ai connu un cas similaire dans ma famille, plusieurs hospitalisations, office, épouse épuisée, au bout de 8 ans, menace de divorce, et là, il est abstinent. » Alors, je ne vous les donne pas tous, parce qu'il y en a énormément. Mais tout ça pour vous dire que dès lors qu'il y a menace de le quitter, que ce soit lui qui s'en aille ou vous qui partiez, à ce moment-là, on passe à la phase 2, c'est-à-dire reconnaissance de la maladie et décision de se faire prendre en charge et de se faire soigner. Et ce que dit une autre jeune femme, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est que vous ne vous rendez pas compte qu'il est en danger. Ah, bah si, mais il est en danger s'il continue à boire. C'est-à-dire qu'il va aller de plus en plus mal, il risque la cirrhose, qui dit cirrhose dit éventuellement cancer du foie, parce que c'est comme ça que ça se termine. Donc, sa vie est en danger. Donc, ça n'est pas lui rendre service que de lui dire qu'il a le choix entre se soigner et ne pas se soigner. En fait, il n'a pas le choix. Mais jusque maintenant, vous savez, quand je dis, mais tu ne regardes ta santé, puisqu'il y a des tas de maladies associées. Je dis, mais regarde l'état de ta santé se dégrade. Et ça, il me disait, oh, de toute façon, l'année prochaine, je suis mort, l'année prochaine, je ne suis plus là, j'aurai jamais mes petits-enfants, de toute façon. Bah oui, alors pourquoi vous lui dites, bah écoute, dans ce cas-là, pars tout de suite, hein, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de rester avec quelqu'un à qui, finalement, je ne donne pas l'envie de vivre. Mais sauf que justement, ça s'est amélioré. Écoutez, si vous pensez que ça s'améliore, que vous y trouvez votre compte, tout va bien. Moi, je vous dis que la seule façon, c'est on peut essayer les alcooliques anonymes. Mais pour ça, il faut qu'il aille là-bas. Ah oui, mais alors, est-ce que vous avez bien compris qu'il ne veut pas prendre de médicaments, il ne veut pas avoir de médecin, il ne veut pas avoir le psychiatre, il ne veut pas arrêter de boire, tout simplement. Il ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il n'a pas compris qu'il était malade. Et que l'alcool déprime. Oui, parce qu'il me dit, alors quand moi je lui dis, mais enfin, il me dit, mais toi tu comprends rien, enfin c'est une maladie, c'est difficile. Bah, c'est une maladie, c'est difficile. Ce que vous comprenez, c'est que comme c'est une maladie, précisément, c'est la maladie qui enlève le goût de la vie, parce que ça déprime, c'est ce que j'étais
en train de vous expliquer. Donc, ça rend dépressif. Quand on est dépressif, on boit pour oublier qu'on a des idées tristes et qu'on est dépressif. Parce qu'on a bu, on est encore plus dépressif et on n'en sort pas. Le souci, il est là. Et puis, parce qu'on est malade, on ne sait pas qu'on peut s'en sortir. Et quand on est dépressif, qu'est-ce qu'on imagine ? On imagine que, précisément, il n'y a pas d'issue et qu'on ne s'en sortira pas et qu'on ne peut pas être soigné. C'est ça. Mais c'est l'alcool qui induit la dépression. Il faut être conscient de ça. Dans ce cas, je ne sais pas ce qui était là au départ. Si c'était la dépression qui est d'abord avant l'alcool, c'est comme l'œuf ou la poule, quoi. Je ne sais pas. Alors, bon, j'ai encore un autre SMS qui dit « Mon papa est alcoolique et ce n'était vraiment pas évident. » Il y a un centre fondé par Kate Barry qui accueille toxicomanes et alcooliques, la maison de Kate, autour de Noirfossé, Bussy-le-Long, c'est pas très loin de Soissons. Il existe plein d'associations. Essayez de les faire avec lui. Mais le problème... Il y a une histoire. Actuellement, c'est là où il a rencontré l'alcoolique plutôt que dans le service à l'hôpital. Bon. L'alcoologue fait les deux, elle travaille à la fois dans une association. Mais l'alcoologue, c'est un médecin ou c'est pas un médecin ? C'est un médecin. Et elle travaille, elle a des lits à l'hôpital ? Oui. Et ben voilà, il faut qu'il s'inscrive dans le programme, sauf qu'elle lui a dit, pour ça il faut être inscrit dans le programme, mais il n'est pas inscrit, je répète. Tant qu'il n'est pas inscrit, il n'ira pas. Elle dit, moi je suis là pour accompagner, mais c'est la personne qui décide. Ben oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'en lui donnant tous ces médicaments, il va donner une arme supplémentaire. C'est une arme. Écoutez, est-ce que vous êtes optimiste ? Parce qu'en fait, elle l'a fait, elle l'a vu deux fois. Et je trouve qu'il n'y avait pas la... Elle ne connaît pas la complexité de la personne. Mais dites-vous bien qu'à la minute où vous avez en face de vous quelqu'un qui est addict... La personne, elle est forcément complexe. Ça n'est jamais simple, une addiction. C'est toujours le fruit d'une histoire, d'un passé, et puis d'une appétence pour le produit. Et puis d'une béance pour qu'il y ait de la place pour le produit. S'il y a de la place pour le produit, c'est-à-dire en l'occurrence pour l'alcool, mais pour n'importe quel autre produit, si ce n'est que l'alcool, c'est celui qui est le plus facile à se procurer, il est en vente libre absolument partout. S'il y a de la place pour ça, c'est parce qu'il y a bien eu un vide ailleurs. Donc, évidemment que ça passe par un suivi psychologique, parce que tant qu'on n'identifie pas ce vide et que on ne cherche pas à le combler par d'autres moyens dérivés, on n'en sort pas. Et que vous n'êtes pas thérapeute, et que avec tout l'amour du monde, vous n'êtes pas non plus son infirmière. Oui, ça j'ai toujours dit, je suis pas ton infirmière, c'est pour ça que je ne sais jamais rien. Mais ne jamais rien dire, c'est pas une solution. Ce que vous auriez dû dire depuis très longtemps, c'est je ne suis pas du tout d'accord et je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer comme ça. Je ne vais pas. Tu as un délai. Dans une semaine, on a rendez-vous. Si tu n'y vas pas, je te préviens, je décide que toi et moi, c'est terminé. Désolée que ce soit un chantage, mais je répète que le chantage, je vous assure, est un moyen efficace. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Bah parce que c'est pas moi. Tiens, du chantage, c'est pas moi. C'est efficace, mais pour ça, encore faut-il y croire. On s'interrompt quelques instants, le temps d'une pause, et je vous retrouve tout de suite après, Nathalie, parce que je voudrais qu'on prenne quelqu'un en réaction. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Veil. Nathalie, vous êtes là ? Nathalie ? Oui. Bon, oui. Alors si vous voulez bien, on va prendre Monique en réaction. Bonsoir Monique. Oui, bonsoir. Voilà, donc j'appelle parce que moi je suis une ancienne alcoolique. Bon, mais on dit toujours, je suis alcoolique. Je suis une ancienne alcoolique abstinente depuis 6 ans et demi. D'accord. Mon compagnon était également alcoolique et il buvait plus que moi, il consommait beaucoup plus que moi. Donc moi, quand j'ai fait mon sevrage... et ma cure, ce qui est indispensable. Si vous faites un sevrage sans cure, ce n'est même pas la peine de commencer. Je suis bien d'accord avec vous. Même quand c'est très difficile, parce que bien souvent, il y en a qui font même la cure et qui rechutent à la sortie de la cure. Et puis, il faut une post-cure. Voilà.
Et il faut être suivi. Moi, quand je suis sortie de ma cure, j'ai fait, je faisais le groupe parole toutes les semaines avec le centre où j'étais, où j'avais été hospitalisée. Ceci pendant plus d'un an. Après, j'ai été intervenante auprès de ceux qui avaient fait la cure, vous voyez. Oui. Et alors, pour revenir à mon compagnon, parce que lui n'est pas abstinent, quand moi je suis sortie de la cure, je lui ai dit, c'est plus d'alcool à la maison. Et moi, il m'a dit, mais moi, je peux boire à la cave. Non, j'ai dit, cave, c'est comme l'appartement, pas d'alcool. J'ai dit, pas d'alcool. Et je lui ai dit, je t'avertis, si tu rentres et que je vois que tu as bu, je te fous dehors. Il est rentré une fois, il avait bu. Je l'ai foutu dehors. Et vous l'aimiez ? Comment ? Vous l'aimiez ? Bien sûr, mais il est toujours avec moi. Et alors, j'ai hâte de connaître la suite. Et alors, il est revenu au bout de 3 jours. Je lui ai dit, tu sais, c'est une leçon. J'ai dit, c'est une première fois. J'ai dit, fais attention, je te mettrai dehors. Il est revenu une deuxième fois, il était ivre. Je l'ai foutu dehors, c'était un dimanche soir. Et il m'a dit, mais il n'y a pas de bus, j'ai pas à manger. J'ai dit, ça, je ne veux pas le savoir. Et j'ai dit, là, c'est la dernière fois. Et ça vous coûtait, j'imagine. Ça me coûtait énormément. Ça me coûtait énormément, mais c'est comme ça. C'était comme ça ou pas autre. Et c'était pas autrement. Il est revenu. Je lui ai dit, je t'avertis. Il n'y aura pas une troisième fois. Et ça, ça fait 5 ans. Et depuis ? Et depuis, eh bien, il n'y a plus de ce problème. Il s'est fait soigner, il s'est fait prendre en charge. Non, il n'a pas voulu. Tout seul ? Tout seul. Parce qu'il savait qu'il allait me perdre. Mais il n'a pas voulu se faire aider ? Il ne s'est même pas fait aider. Donc c'était juste une question pour lui, il a tenu... c'est une belle preuve d'amour qu'il vous a donnée là. Oui, c'est pas, mais il l'a fait pour moi. Bien sûr, il ne voulait pas vous perdre. Il l'a fait pour moi. Et bien souvent, il y a eu des tentations, on lui a offert des bouteilles d'alcool. Oh là là. Ses copains. Tiens, mais tu la laisses dans la voiture. Tu... Il a dit non. Il a dit, je me fais prendre. Je me fais foutre dehors. Ouais, il le voulait pas. Et il a refusé les bouteilles d'alcool. C'est bien. C'est bien. Nathalie, est-ce que vous avez entendu ? Oui. Ça, et il faut la menace. Et ça, moi, j'ai bien dit à mon compagnon que je ne reviendrai jamais. Moi, je suis abstinente. C'est un combat. Ouais. Alors, abstinente, moi, il n'y a pas d'alcool. Je ne mange pas de gâteau alcoolisé. Mes sauces, elles sont faites sans alcool. Tout est sans alcool. Oui, ce que je voudrais que vous entendiez, Nathalie, et Monique l'a très bien dit, hein, c'est qu'elle ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Oui. Ça a dû terriblement vous coûter de le mettre dehors. C'est ce que vous expliquez une première fois, vous laissez revenir. Vous voyez, écoutez, l'année dernière, c'est-à-dire le 26 décembre, il a été opéré d'un cancer du poumon. On lui a enlevé la moitié du poumon. Oh là là. Il a fallu qu'il soit sevré, enfin, il s'est sevré de lui-même par le tabac. Le 3 août, on lui a dit, vous avez un cancer du poumon, il faut vous enlever la moitié du poumon. Il a arrêté net. Ah bah oui. Il n'a pas repris. Oui, et l'alcool, on en a encore rediscuté, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je lui ai dit, je ne revivrai jamais ce que j'ai vécu. Ben ouais. Que ça soit bien compris, c'est un contrat que nous avons fait et que nous avons signé tous les deux, plus d'alcool. Bah écoutez, je trouve ça formidable. Et puis surtout, Monique, vous savez exactement de quoi vous parlez. Parce que vous avez vous-même vécu ce combat, que vous l'avez, vous êtes sortie gagnante. Je suis passée très près de la mort parce que je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, c'est ma fille qui m'a fait rentrer. J'avais de l'acide, j'étais gonflée et tout ça. Et quand je suis rentrée au CHU, ils ont dit aux urgences, hein, ils ont dit à ma fille, d'ailleurs mes enfants sont venus me voir la nuit, ils ont dit elle passera peut-être pas la nuit. Oui, sacrée leçon. J'ai fait une jaunisse derrière. J'ai été vraiment très très malade. Alors ce qu'il y a, il faut bien suivre ses médicaments. Moi j'avais de l'Aldectone 3 fois par jour pendant 2 ans. C'est le psychiatre qui me l'a arrêté. On n'arrête jamais un médicament de soi-même. Non, jamais.
Sinon, vous partez à la catastrophe. Oui, c'est la catastrophe parce qu'on ne sait pas, les sont des médicaments qu'on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain, tout oui, ça, si quand on n'est pas sortir, médecin. Il faut écouter. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Nathalie, est-ce que vous savez ce que c'est vraiment que la maladie alcoolique? Est-ce que vous avez conscience de ce que c'est? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas très au fait. Et que c'est pour ça que vous devriez voir la dictologue. Absolument. Et ce sont des gens. Mais je l'ai rencontré. Mais est-ce que vous savez, vous, vraiment, ce que c'est que la maladie alcoolique? Le problème est là. Je crois que vous n'en avez pas réellement conscience. Je veux bien l'admettre. C'est pas du tout pour vous culpabiliser, mais c'est pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est que cette maladie, effectivement, vous avez du mal à entendre et à comprendre. Certainement qu'au départ, j'ai sous-estimé. Ouais. Certainement. Actuellement, non, je sous-estime plus l'effet de cette maladie. Écoutez, il n'est pas trop tard. Voilà, vous êtes jeune, certainement lui aussi, vous êtes jeune, et vous pouvez avoir une belle vie tous les deux, mais à condition d'arrêter ça. Monique, je vous remercie de votre témoignage. Merci d'avoir appelé. Vous savez, je vous écoute tous les soirs. Ah bah c'est sympa. Et c'est un bonheur. Vous êtes géniale. Merci beaucoup, Monique. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bon, Nathalie, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On a eu aussi le renfort de Monique, voilà. Plus tous nos auditeurs qui ont participé. On n'est pas trop tous. J'espère vous avoir un tout petit peu convaincu. Vous nous rappelez d'ici quelques temps pour nous donner des nouvelles, d'accord? Oui, j'essaierai. Merci beaucoup. Au revoir, Nathalie. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Alors, c'est vrai que c'est jamais très simple de parler d'alcoolisme et que il faut bien avoir en tête que les gens qui sont sous l'emprise de cette maladie sont toujours dans la détresse. Que, encore une fois, ce n'est pas une question de volonté, parce que, qu'est-ce que vous croyez, beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie aimeraient beaucoup arrêter. Bien sûr qu'ils aimeraient arrêter, simplement ils ne le peuvent pas. Et on ne le dira jamais assez. Un, c'est une maladie. Deux, on ne peut pas arrêter tout seul, sauf peut-être comme le compagnon de Monique, mais il avait l'exemple de sa compagne sous les yeux. Certainement, elle était là pour l'aider, donc on va dire que c'était une présence en continu. Mais sinon, tout seul, c'est très très compliqué d'arrêter. C'est pour ça que je sais que vous êtes nombreux souvent à appeler sur ce sujet, en demandant comment faire pour s'en sortir. Vous l'êtes vous-même, vous avez un parent, un conjoint, un ami proche que vous aimeriez aider. Je crois que surtout, ce qui est important, c'est que les personnes qui sont atteintes de la maladie alcoolique comprennent qu'elles ne sont pas coupables, précisément parce que elles sont malades. Est-ce qu'on en... Et la maladie, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être malade. Est-ce qu'on en veut à quelqu'un parce qu'il a une maladie à l'estomac, parce qu'il a un ulcère? Est-ce qu'on en veut à quelqu'un parce qu'il a une maladie des reins? Non, la maladie alcoolique, c'est une vraie maladie, donc il n'y a pas lieu de se sentir coupable. C'est pour ça que très souvent, je dois insister pour que vous alliez voir un médecin, mais l'environnement médical aide à prendre conscience précisément de la pathologie. Voilà. Alors, on peut se demander, comme le fait René d'ailleurs, est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un symptôme? Bien sûr que l'alcoolisme, au départ, c'est un symptôme d'un très grand mal-être, d'un mal-être parce que pourquoi boit-on? Pourquoi prend-on des produits? Pourquoi est-ce que on a comme ça à faire recours à ce qu'on appelle les produits aphrodisiaques artificiels ou paradis artificiels? Tout simplement parce qu'on a envie d'arrêter de penser, parce que les pensées sont si lourdes, si pénibles, quelquefois si douloureuses, qu'on ferait tout pour que ça s'arrête et que la bouteille paraît le meilleur des médicaments. Mais c'est un faux ami, c'est la fausse bonne idée et c'est le très mauvais médicament. Donc voilà, c'est un message que je voulais vous faire passer juste avant de prendre Jacques. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je remercie, ça va pas si mal que ça, malgré un parcours existentiel juché d'embûches.
J'ai eu c'est vrai que le sujet de l'alcoolisme a été un peu long ce soir, mais il le fallait parce que c'est un fléau mondial où il faut en parler absolument et faire des électrochocs mentaux, intellectuels, émotionnels, affectifs chez celui qui en est victime et qui fait des dégâts collatéraux et qui a une compagne qui devient codépendante. Et qui s'en rend même plus compte tellement le déni est commun. Et il faut d'abord que la personne qui est codépendante se soigne elle-même. Elle a besoin d'une psychothérapie elle-même pour se guérir. Non, pas du tout. Elle n'a pas besoin de psychothérapie. Je crois que quand on vit aux côtés de quelqu'un qui est atteint de la maladie alcoolique, on a énormément de mal. Tout simplement à vivre ça au jour le jour et que c'est compliqué, mais elle a pas forcément besoin d'une psychothérapie. Je pense que si son conjoint allait bien, elle irait très bien, Nathalie. Oui, si. Ouais. Alors, je vais vous dire, cher ami, moi, j'adore les femmes qui ont eu l'énergie et la force de faire face à elles-mêmes sur le plan psychologique et sur le plan physique, qui ont ce courage exceptionnel. J'ai eu un père alcoolique, un grand-père alcoolique, deux oncles morts aussi d'alcoolisme et deux frères alcooliques. Quelle famille ? Oui, quelle famille. Ils avaient soif, hein. C'est des bois sans soif. Alors j'ai vécu donc 15 ans avec un père alcoolique, avec une mère qui était un petit peu immature, demeurée, qui avait une relation psycho-affective incestueuse avec moi. Donc j'ai subi pas mal de trucs, pas mal de déviances, de carences. Et ce père alcoolique a fait de ma mère une victime qui aurait eu besoin d'une psychothérapie pour qu'elle puisse prendre conscience qu'elle était immature, inconsciente, sans réaction. Dites-moi, vous avez la dent dure, Jacques, hein, parce qu'il faut bien voir que ça n'a pas dû être facile pour elle tous les jours. Oui, je vous trouve très très sévère. Vous avez beaucoup souffert ? Oh bah oui, quand même, oui, puisque ça m'a orienté. Moi, je voulais être médecin, ça m'a orienté vers un échec scolaire flagrant, vers un échec social, relationnel, et des comportements à risque majeur. Comme bon, de quel genre ? Oh bah me retrouver dans des milieux sociaux qui n'étaient pas favorables à mon épanouissement. À faire des études, en psychologie, en spiritualité, avec des gens qui étaient néfastes, toxiques. J'ai pas mal fumé de shit pendant quelques années, quoi. Ça n'aide pas non plus, hein. C'est pas comme l'alcool. C'est différent de l'alcool, mais enfin, on peut pas dire que ce soit bon pour la santé également. Non. Mm-hmm. Surtout pour un esprit qui est en maturation et qui est en manque de maturité. Quand on est adolescent, à 19 ans, j'étais encore un adolescent, j'ai commencé à fumer du shit. Et ça m'a rendu paranoïa. Et j'ai essayé de soigner ma mélancolie maniaco-dépressive avec du shit. Et finalement, ça l'a amplifié. Ça l'a amplifié. Oui. Ouais. Et en plus, effectivement, comme vous dites, avec des traits paranoïaques. Dites-moi, Jacques, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, donc, après un parcours chaotique qui était vraiment dur de chez dur, j'ai fait la tournée des sectes pour me... La tournée des sectes ? Ah oui, j'ai fait la tournée des sectes, des mouvements religieux. J'ai été voir Guru Maharaji, Hare Krishna, les Mormons, les... Ah, vous avez tout essayé. Les témoins de Jéhovah, les Adventistes et toute la Smala des messagers, quoi. Ouais. Bon, et qu'est-ce que vous en avez retiré ? Oh ben un petit truc quand même, quoi, des gens sympathiques, mais qui étaient dans des situations... Ah, vous trouvez ? Plus ou moins schizophréniques, inconscientes. Oui, il y en a qui parlaient un langage au bout de quelques années, qui venaient de l'au-delà, quoi. C'était incompréhensible, inaccessible pour les novices, etc. Puis alors, la dernière secte que j'ai trouvée, je dis secte parce qu'on est obligé de se sectionner de certaines choses... de certaines habitudes, quoi. Au début, c'était bien, quoi, passer pour un type complètement déglingué comme moi, qui était au fond du trou. Mais j'avais quand même un goût à la vérité, un vrai goût à la sagesse, à la spiritualité, au mieux, au beau, au vrai, quoi. Mmh. Et c'est ça qui m'a retenu la tête un peu en surface.
Et alors, j'ai rencontré donc des gens qui s'intéressaient à une hygiène de vie plus saine. Et puis à vous, surtout, aussi. C'est-à-dire que vous avez trouvé une écoute. Oui, j'ai trouvé une écoute et puis j'ai trouvé... Dans un premier temps, on a l'impression qu'on trouve une écoute. En fait, c'est pour mieux vous attraper, mon enfant. Oui, j'étais un enfant qui manquait de maturité adulte. Et donc... Ils l'ont pris en considération et m'ont fait quelques électrochocs internes pour que je puisse arrêter de fumer mon tabac, mon shit. Attendez, qu'est-ce que c'est des électrochocs internes ? C'est des catharsis, des critiques, des regards, des intonations de voix, des propos. Comme quoi que j'étais en dessous de mon potentiel réel, quoi, que j'étais un faible en réalité, un incapable, etc. Bon, chose que j'ai plus ou moins compris. Ça vous a pas aidé, ça ? Non, parce que ça manquait réellement de psychologie. L'ambiance était surtout mystique. Mmh. Et c'était une ambiance mystérieuse, mais qui me faisait du bien. Je pouvais m'évader. Ça vous a apaisé ? Oui, je partais dans un espèce d'absolu pas analysable, impalpable. Est-ce que là aussi, vous diriez qu'au fond, c'était un substitut à une addiction ? Oh bah oui, ça remplaçait un vide intérieur terrible. Mm-hmm. Oui, c'était un substitut, je l'ai remplacé par un autre. Alors ça a marché comme ça quelques temps, et puis je sentais qu'il manquait vraiment des choses. En réalité, il manquait de dialogue psychologique. Parce que avant d'être un ange, on commence par être quelqu'un de normal, un homme normal. Un humain, donc. Oui, un être humain sain, avec des raisonnements sains, une connaissance de soi saine, une connaissance de ses limites, un respect de son corps, et un respect dans les relations sociales, avec des ambitions, une énergie créative. Bon, tout ça, je ne l'avais pas. Et je ne l'ai toujours pas à côtoyer ces gens pourtant assez parfaits dans l'ensemble, assez dans la réussite. Alors j'ai appris à, disons, un peu la sophrologie, la méditation, la maîtrise de mes émotions, de ma sexualité, de mon affectivité, de la canaliser, la gérer, l'orienter, un petit peu comme on fait dans le yoga, dans les cultures indiennes, dans les religions. Est-ce que vous suivez une psychothérapie aujourd'hui, demande René ? Alors, depuis 2 ans, puisque j'étais très intéressé depuis l'âge de 15 ans par les psychologues et les psychiatres, c'était les dernières personnes à laquelle je voulais me confronter. Ah bon ? Pourquoi ? Vous aviez peur de quoi ? J'avais peur de moi-même face à eux. Bah oui. D'avoir des révélations où je m'écroule. Vous savez, on peut s'écrouler devant certaines vérités de soi-même. Ouais. Et si on n'a rien pour mettre à la place. C'est pour ça que la vérité fait peur n'est pas bonne à dire à tout le monde. On ne peut pas parler de tout, n'importe où, avec tout le monde. Bien sûr. Jacques, quel âge avez-vous aujourd'hui ? 58 ans. Alors, est-ce que vous avez réussi à construire, malgré tout, une vie affective ? Parce que de tout ce que vous décrivez, vous avez terriblement souffert. Mais vous avez aussi terriblement observé, vous avez essayé, on va dire, à peu près toutes les méthodes. Je n'ai pas pu faire une relation durable, saine, épanouissante avec une femme, puisque j'étais incapable de l'aimer durablement et d'être aimé. Je refusais d'être aimé, puisque je ne pouvais pas dialoguer à ce niveau-là, avoir l'échange et une vie réelle, quoi, basée sur des choses fortes, puisque ma vie était un champ de ruines. Alors, je ne pouvais qu'entraîner une pauvre fille dans ma misère personnelle. Ce n'était pas une solution. Donc ça fait toujours des dégâts collatérales. Donc pas de famille, pas d'enfants, pratiquement pas de métier, à part un métier artistique que j'ai appris par moi-même, qui m'a sauvé la vie. Ah oui, lequel ? Je suis devenu artiste peintre, chanteur et musicien.
Ah, vous faites tout ça. C'est oui. Bien. Oui. Bon. Ça permet de faire une tournée dans beaucoup d'écoles et des spectacles privés, etc. Oui, j'avais pas d'autre solution. C'était ça ou pas la délinquance, mais un désœuvrement dont l'issue peut être fatale, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, j'en suis que j'ai toujours des traumas rétroactifs qui reviennent de mon enfance, parce que mon père était un Algérien émigré qui est venu en France, qui s'est marié très vite avec la première qu'il a trouvée. Il a eu des papiers, il a touché les allocations familiales, il m'a volé toutes mes allocations pour boire, fumer ses clopes. Et je ne mangeais rien, quoi, mais vraiment rien, à part du sucre, du pain, de l'eau, quoi. Et les voisins étaient silencieux. Ils rentraient, ils me crachaient au visage, c'était les insultes en arabe, nadinomok, fils de chien, sale français, etc. Ça a duré 10-15 ans comme ça. Puis un jour, je lui dis, écoute salope, descends, je vais te péter la gueule. Dites-moi, quelle violence, hein. Ah, c'était très très violent. J'avais subi 10-15 ans de violence physique et mentale qui était énorme, qui était vraiment plus que traumatisante, qui était complètement déviante. Donc ça m'a bien fait plaisir de lui parler comme ça. Il est venu devant moi, j'ai dit, allez, approche, je vais démonter. Bon, j'ai compris. Ah, oui, en disant qu'on a I get the picture, comme diraient les anglo-saxons. Bon. Pardonnez-moi pour cette vulgarité, mais je crois qu'il y a certains alcooliques qu'il faut leur parler comme ça. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du Là, je suis désolée, mais je m'inscris totalement en contre cette façon de faire. Je le répète, ouais, je suis désolée, on parle à personne comme ça, ni les alcooliques ni les autres. Hein. Mais bon, j'imagine que vous avez certainement dû beaucoup souffrir. Oui, quand même. Je crois que mes deux frères sont devenus alcooliques. Il y en a un qui a fait un sevrage, il a réussi. Bon, il a été obligé de divorcer parce que c'était plus vivable. Il a réussi à ne plus boire. Et je crois que c'est définitif. Mais il fume toujours énormément de tabac. Donc, je crains pour sa santé. Et j'ai un autre frère qui est toujours alcoolique. Je ne sais pas s'il est dans le caniveau ou s'il fait encore la tournée des bars ou s'il est mort ou quoi. Ah, comme quoi, effectivement, tant qu'on se prend pas en main, tant qu'on donne procède pas à un sevrage, c'est difficile de s'en sortir. Il arrive qu'on puisse s'en sortir tout seul, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Jacques, je suis resté dépressif pendant toute ma vie, avec des phases de rémission. J'entends ça. Alors aujourd'hui, vous me dites que vous chantez, vous peignez, vous jouez, et que ça vous aide beaucoup. Oui, mais quand je repense à mon père, je deviens vulgaire. Quoi. Ouais, je vois. C'est-à-dire que la souffrance est là. Et alors, vous dites que vous avez évité les psys pendant toute votre vie, mais que depuis 2 ans, ça y est, vous vous êtes décidé. Alors, donc, j'avais côtoyé cette secte pendant 40 ans, et puis ça devenait de plus en plus difficile. Parce que, bon, je payais 350 € pour dormir... dans ce groupe pour dormir sur une planche dans une camionnette un peu déglinguée, quoi. Mmh. Et puis je travaillais pour 5 € de l'heure à faire des travaux variés dans la communauté. Et puis il y avait des espèces de petites guéguerres, de rivalités, de chefs, de petits sous-chefs, de haine, de coups fourrés, de coups bas. J'en ai eu vraiment assez de tourner en rond dans ce système-là. Et un jour, j'ai dit au gourou, t'es un beau salopard, tu mérites mon pied au cul. Lui aussi. Donc en fait, vous en aviez fait, un autre papa, si je comprends bien. Alors que tout le monde était à genoux, silencieux, n'aurait jamais osé lever le petit doigt devant lui, lui faire une réflexion, le reprendre. Oui, je lui fais des critiques. Bon, écoutez, on va dire que ça a été une bonne façon de lui dire au revoir. Donc vous êtes parti. Oui, oui. Et alors, je suis parti et je me suis retrouvé avec une tente de camping dans la nature, été comme hiver. Et puis, une personne m'a prêté une caravane, me l'a donnée même tellement elle était pas très jolie. Et puis, j'ai acheté beaucoup de livres sur la psychologie, les psychothérapies, la psychiatrie. Et je me suis beaucoup informé avec Pierre Dacot et beaucoup d'autres écrivains en psychologie. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai étudié les psychopathologies, enfin, pas d'une manière aussi pointue qu'un doctorat en psycho. Oui, j'imagine bien, parce que... Parce que c'est énorme, la psychologie. Ça touche tellement de domaines.
Ça touche la femme enceinte, le bébé, la pré-enfance, l'adolescence, l'adulte, la personne âgée, le travail. Enfin, c'est énorme, énorme. On n'a jamais fini d'étudier en tout cas. Je suis bien d'accord avec vous, et puis ça demeure toujours aussi intéressant. Jacques. Oui, je voulais dire aussi, s'il vous plaît, si j'ai le temps, il n'est pas encore minuit, c'est pour les informations. Je suis chanteur et je cherche une chanteuse. Ah bah voilà, vous avez eu raison d'appeler. Et puis une guitare électrique Fender. Alors donc, une chanteuse et une guitare électrique Fender. Ok, oui. On prend note de tout ça, Jacques. Bon, merci à vous. Je vous aime tous et je vous embrasse tous avec beaucoup d'amour. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39-21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Alors, on va poursuivre avec Georges. Bonsoir, Georges. Je crois que vous vouliez réagir à ce qui venait d'être dit. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Georges. Je crois que vous vouliez réagir à ce qui vient de se dire. Oui, au sujet des malades alcooliques, là. J'ai entendu le témoignage. J'ai pas retenu le nom de la femme qui a expliqué qu'elle avait viré son compagnon Monique. Deux fois ou trois fois. Monique. Et pour le faire devenir abstinent de force. Alors là, moi, je m'insurge un petit peu devant cette méthode qui me semble difficile. Et puis, bon, si ça continue pour elle, tant mieux. Mais bon, moi, je suis un malade alcoolique aussi. J'ai 75 ans. J'ai fait ma première cure de désintoxication dans les années 70. Et puis voilà, j'en ai fait plusieurs avec des suivis psychologiques, etc. Et puis bon, ben, je pense que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Parce que, en tout premier lieu, j'ai fait un suivi avec un médicament qui s'appelle l'Espéral, et qui est une camisole chimique. Tout à fait, qui vous empêche de boire, bien sûr, ouais. Mais qui est vraiment, comme je dis, une camisole chimique. C'est-à-dire que c'est très coercitif. Si vous buvez avec l'Espéral, vous vomissez tout ce que vous savez. On devient noir, même si on est blanc, et puis on étouffe. C'est des sensations absolument atroces. Moi, j'étais suivi avec l'Espéral. J'ai eu le malheur de boire une bière sans alcool, mais dans tout produit réputé sans alcool, il y a un minimum d'alcool quand même. Et donc, mal m'en a pris, parce que cette bière sans alcool se révélait avec le milligramme d'alcool de trop, qui m'a fait avoir une crise absolument démentielle. Donc on peut plus manger un pâté à l'armagnac, on peut plus manger un coco vin, on peut plus manger. Donc c'est le véganisme de l'alcool, quoi. C'est absolument atroce et c'est plus une vie. Donc après j'ai repris une vie normale. Bon, j'ai essayé il y a 7 ou 8 ans les systèmes de consommation contrôlée avec le nouveau médicament qu'on appelle le baclofène, et puis il y a le Seresta. Enfin bon, j'ai essayé c'est pas la même chose, hein, le psychologique et tout. Mais un jour ou l'autre, ça déborde. C'est un peu comme une sortie de route, hein. Vous savez, on est un bon conducteur, et puis un jour, il y a une plaque de verglas, il zoome, on repart, quoi. Donc, c'est pour ça que, bon, je me permettais d'intervenir à ce sujet-là, en disant, bon, la volonté, c'est bien, c'est sûr. Il en faut, parce que, comme dans toute maladie, hein, quand on combat le cancer, il faut avoir aussi de la volonté. Mais c'est pas pour ça que vous allez guérir du cancer. Et moi, je pense, et je suis convaincu que c'est pas en s'armant de volonté, contrairement à ma famille, parce que mes enfants se sont détournés de moi, pensant que, puisque je retombais toujours, j'étais absolument incurable, donc à rejeter complètement.
Donc, et c'est pas ça qui m'aidera à nouveau à me ressaisir. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait avoir un peu plus de compréhension et d'accompagnement. Et c'est ce qui manque souvent auprès de l'entourage, hein, et qui eux vous jugent au lieu de vous aider en disant bon, ben, ton praticien, ton médecin, il doit t'aider. Et puis si toi tu veux pas faire l'effort, eh ben t'es bon à acheter au chien. Et c'est ça qui me navre. Mais voilà. Georges, vous avez eu tout à fait raison d'appeler pour faire part de ce qui vous est arrivé à vous, je crois. Mais vous... Oui, mais c'est ce qui m'arrive. Mais voilà. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que comme vous dites, vous avez été jugé et mal jugé par vos enfants, et vos enfants, ils ont surtout mis ça et beaucoup mis ça sur le dos de la volonté. Avec un peu de volonté, tu vas t'en sortir. Or, malgré tout, un des premiers symptômes de la maladie alcoolique, c'est précisément d'enlever la volonté. Donc, comment compter sur quelque chose qu'on n'a plus? De la même manière que la dépression annihile la volonté. La dépression anéantit complètement la volonté. Donc, c'est pour ça que quand on dit à certaines personnes qui sont dépressives, allez, secoue-toi, je t'assure, c'est une question de volonté, regarde devant et tu vas aller mieux, ça ne sert à rien, parce que on fait encore plus culpabiliser ces personnes-là. Moi, je crois que le souci, c'est que vous avez été mal jugé. Ah oui, non, mais alors en plus, comble de bonheur, je suis bipolaire. J'ai été diagnostiqué bipolaire il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, ceci explique peut-être un peu cela, parce que vous savez très bien que dans la bipolarité, très souvent, et dans la phase dépressive, eh bien, on tombe dans la consommation d'alcool ou d'autres choses encore plus graves. Heureusement, moi, j'ai pas été jusque-là. Voilà. Donc, là, j'ai la double peine. Hein. Et ça, mon entourage familial donc ne le comprend pas. Heureusement que j'ai encore quelques amis qui, eux, me comprennent, me soutiennent. Et dans les moments difficiles, eh ben, je peux même plus faire confiance ni appel à ma famille. Et donc, je suis obligé de me tourner vers des amis. Voilà. Oui, et mais ça, c'est... là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand on refuse de prendre conscience de sa maladie et quand on refuse de se soigner. C'est-à-dire que malgré tout, vous le dites, j'ai essayé le baclofène, j'ai essayé ça et ça a pas marché. Oui, mais en attendant, il y a aussi des cures, des post-cures. Et je vais vous dire, on va pas se cacher derrière son petit doigt, ça prend du temps. En réalité, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un an d'abstinence derrière la cure et la post-cure. Donc ça veut dire... J'ai été abstinent pendant 6 ans, dans les années 1990, par là. J'ai été abstinent total pendant 6 années. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait recraquer ? Parce qu'elle le disait tout à l'heure. J'ai dû avoir des problèmes au point de vue boulot, je sais pas quoi. Bon, parce que mon alcoolisme récurrent, il a toujours été déclenché par des périodes d'euphorie, en fait. Parce que au fil des années, j'ai pu me rendre compte que, dans les périodes tristes, c'est sûr qu'on boit pour oublier. Voilà. Mais chez un bipolaire, c'est dans la période euphorique que là on croit que tout est bien, on est les rois du monde. Et à ce moment-là, rien ne peut nous atteindre et même on est tellement heureux de vivre qu'on boit inconsidérément au cours d'une occasion. Oui, parce qu'on se sent tout puissant. C'est ce qui m'est arrivé. Mmh. Et voilà. Bon. Enfin là, maintenant, je suis à 75 balais, il faut quand même que j'essaye de me ressaisir. Alors j'envisage de faire encore une cure, voyez-vous, parce que là, c'est bien. Ça fait 5 ans que mon épouse est décédée, j'ai eu pas mal de démêlés, de problèmes, bon, notamment avec mes enfants qui m'ont mis sous curatelle. Donc là, j'ai dit, bon, là, maintenant, j'ai besoin quand même je voudrais avoir un petit mois de vacances, même si je suis en retraite. Et puis, bon, étant sous curatelle, je suis coincé, je suis obligé de tourner Vous êtes sous curatelle dans un tout petit circuit.
Et là, j'ai envie de prendre un grand bol d'air, un grand bol d'air. Donc, j'ai fait une demande pour aller faire une cure dans un établissement en Charente. Et puis, j'espère que idée. Je vais être accepté. Parce que là, idée. J'en ai besoin. Mais oui, mais vous le dites vous-même, hein, d'ailleurs, ça vous a pas, découragé. Vous êtes prêt, malgré tout, à réessayer. Ah oui, absolument. Et je sens que j'ai le besoin. Mais seulement, je demande pas qu'on me plaigne. Je demande ah, mais pas du tout. Je voudrais qu'on m'aide seulement. Mais qu'on vous aide, c'est-à-dire. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, vous n'avez pas dû bénéficier, c'est vrai, du soutien familial. Mais pas du tout. Or, ah non. Moi, non, non. Quand je prie. Si vous voulez, quand je recommande. Une anecdote. Une fois, c'est pour mon 40e anniversaire, j'ai été pris en état d'alcoolémie par la police. Et donc, le policier a téléphoné à mon épouse en lui demandant si elle voulait venir me chercher. Bah, comme elle n'avait pas de permis de conduire, elle lui a dit ah bon, il est sous, eh bien gardez-le. Eh oui. Quelle aide. Bah oui, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez aussi? Il y a une forme de découragement de la part des proches et on peut un tout petit peu essayer de se mettre à leur place. Je vais vous dire, peut-être que vous n'avez pas eu le soutien dont vous aviez besoin au départ, mais le fait de se sentir lâché, ça peut contrarier. Mais souvent, quand on n'existe que par sa maladie, ça peut aussi aider. Je vous remercie de votre appel, Georges. Voilà. À très bientôt. Bonsoir. Au revoir. Merci. Et bonne chance pour cette nouvelle cure. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Libre Antenne, on attaque la dernière ligne droite, mais vous pouvez continuer d'appeler le 3921. Je suis toujours à votre écoute. Alors, c'est la nuit, la vraie maintenant, qui nous enveloppe complètement. Il est minuit passé de 5 minutes, l'heure de se confier, de se raconter, de se livrer. C'est l'heure aussi où quelquefois les questions se font plus prégnantes et aussi les inquiétudes. Donc, j'attends vos appels 3921 pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne. Mais vous pouvez aussi m'envoyer vos SMS 739 21, pardon, en commençant par le mot nuit, et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1. On va poursuivre avec Roland. Bonsoir Roland. Oui, bonsoir. Franchement, ça me fait plaisir que vous ayez pu prendre mon appel. Oui. J'ai une pensée, moi, c'est pour Nathalie. Vous avez raison. Parce que donc j'ai entendu beaucoup de témoignages. Beaucoup de cas, donc de personnes qui racontent en fait leur situation. Effectivement, personnellement, j'ai été alcoolique, je m'en suis sorti, mais je trouve que la souffrance de Nathalie, elle est énorme. Et on n'en parle pas. Chacun parle de sa situation personnelle, des raisons pour lesquelles donc on est tombé dans cette situation. J'ai eu la chance d'avoir un thérapeute qui a été extraordinaire, qui m'a fait comprendre où j'en étais et pourquoi en fait j'en étais là. Et ça a été donc extraordinaire en fait pour moi, mais la souffrance de Nathalie, je trouve qu'elle n'est pas comprise. Et Nathalie a une chance, enfin, c'est plus son compagnon qui a une chance. Oui, je suis d'accord. Voilà, parce que donc il est suivi, donc il a quelqu'un donc à ses côtés, ce qui n'a pas été mon cas. C'est-à-dire oui. que mon épouse, donc effectivement, quand je suis tombé dans cette dépendance, je veux dire que c'est une dépendance. Mon épouse, donc en fait, ne m'a pas suivi. J'ai eu la chance d'être suivi par un thérapeute qui a été extraordinaire, qui me fait comprendre que c'était pas donc une honte, c'était une maladie. Voilà. Je suis dans un milieu assez protégé. Oui. J'ai donc un niveau d'études important. Oui. Et pour autant, donc un jour, donc je me retrouve sur Nantes, à un colloque, et impossible de retrouver ma voiture.
J'ai passé 2 jours dans cette ville pour savoir où j'avais garé ma voiture. Oui. C'est là où j'ai pris conscience que c'était plus possible, qu'il y en avait assez, et que je me soigne. Et ça a été donc terrible. Oui. Terrible parce que donc on n'est plus maître de soi. Et puis on s'aperçoit qu'à côté de soi, donc on fait souffrir les autres. C'est vrai. Et moi, je pense que Nathalie, mais je pense qu'elle a, je ne connais pas en fait son compagnon ou son mari, mais je pense que bon, elle a énormément donc en fait d'affectif avec lui. Elle le dit. Il faut qu'elle se protège. De quelle manière? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Moi, j'ai envie de dire à Nathalie que c'est bien ce qu'elle fait, donc qu'elle accompagne, mais il faut donc qu'il se prenne en charge. Il n'y a pas de rien ne viendra d'elle parce que il est dans un confort donc affectif, je sais pas si c'est matériel ou pas, mais dans un confort, dans un cocon, oui, dans un cocon, voilà, elle le protège complètement. Et au bout d'un moment, il faut passer au-dessus. Et je vous suis de tout ce que vous avez dit donc depuis le départ. C'est donc en fait c'est plus possible quoi. Mais oui. On peut plus, donc tu souffres, mais tu me fais souffrir. Oui. Je veux que Nathalie l'entende. Tu me fais souffrir. Est-ce parce qu'elle souffre, en fait, Nathalie. Roland, est-ce que vous ne croyez pas son compagnon en a conscience, puisque aujourd'hui ou hier, il lui a dit « Quitte-moi, c'est la seule chose qui reste à faire. » Oui, mais je trouve que c'est un petit peu donc un appel à... Ça me fait peur, ce genre de comment situation. Comment vous l'interprétez, vous? J'interprète un peu comme un appel au suicide, quoi. Mais c'est pas tellement ça, c'est que, quitte-moi, donc, mais c'est, je pense qu'il faudrait que Nathalie soit actrice là-dedans. Il faudrait qu'elle dise, donc, en fait, mais j'y ai pensé. Mmh. J'y ai pensé, donc, maintenant, donc, effectivement, donc, on va, donc, se séparer. C'est pas que je ne t'aime plus. Mais donc, tu te prends en charge, et maintenant, donc, tu avances. Mmh. Je crois que vous avez raison, oui. Tu avances, donc, et après, on se retrouve. Mais pour l'instant, c'est pas donc à lui. On a l'impression d'un chantage, en fait. Je sais pas comment vous dire, donc, oui. Quand on entend ce genre de message, on a l'impression, donc, un appel au suicide. Attends, tu me quittes, je vais me suicider, quoi. Oui. Quitte-moi, parce que donc, c'est plus possible. Non, c'est pas ça. Mais oui, mais j'y ai pensé. Oui, il faut que je la trouve tellement aimante, c'est beau, c'est très beau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est consciente de son impuissance? Qu'elle prend conscience de son impuissance? Mais il faudrait qu'elle en prenne conscience, mais prendre conscience c'est bien, mais réagir c'est mieux. Ah oui, mais pour réagir il faut d'abord avoir conscience. Mais je pense qu'elle a la conscience. J'ai entendu en fait le message tout à l'heure, donc je pense qu'elle a la conscience. Mais ça fait mal. C'est beau, c'est très beau. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec votre épouse? Non, je me suis séparé et c'était c'était malheureusement en fait la raison de mon alcoolisme, c'était ça. Donc j'avais une situation très très importante. J'ai fait ce qu'on appelle maintenant donc très trop communément un burn-out. J'en pouvais plus. Ouais. J'ai changé de situation, donc j'ai trouvé donc un métier donc tout à fait donc dans mes coordonnées, donc mais pas les mêmes rémunérations. Et donc madame avait épousé une situation et pas donc pas la personne. Et je m'en suis aperçu et voilà, c'est ce qui a fait donc je suis tombé dans l'alcoolisme. Mais après donc je vous dis, j'ai eu la chance d'avoir un thérapeute qui a été donc mais vraiment super génial, qui m'a fait comprendre en fait les tenants, les aboutissants, qui m'a aidé, qui m'a conduit. Ouais. Alors, quand vous dites qu'il vous a aidé à comprendre ce pourquoi vous buviez, est-ce que c'est précisément pour la raison que vous venez de nous donner, c'est-à-dire que, en fait, votre femme avait épousé quelqu'un d'un certain milieu socio-professionnel, qu'elle s'attendait à avoir un certain type de vie, et que parce que vous n'étiez pas tout à fait à même de lui donner à hauteur de ses espérances, elle vous a rejeté. Est-ce que c'est la raison qui a fait que vous vous êtes mise à boire? Oui, tout à fait. Oui. C'est pas ça, c'est que je voulais donc avoir, donc j'ai des pères de famille. Oui. Et donc le problème, je partais le matin, donc ma fille était donc, elle dormait, je rentrais le soir, elle dormait. Et donc on s'aperçoit qu'on a une enfant. Oui, j'ai une fille.
Et donc, vous rentrez le soir et vous apercevez que votre enfant, donc, elle n'est pas là. Et elle grandit. Alors, à part donc le samedi où je rentrais pour dicter donc en fait des dossiers donc à ma secrétaire donc le samedi matin donc et autres, hein, le dimanche soir pareil, j'étais jamais présent à la maison. Donc j'en ai assez et puis donc j'ai eu l'opportunité d'obtenir un poste de directeur, mais je n'avais plus donc le titre que j'avais auparavant. Et voilà, donc et je me suis aperçu que je n'apparaissais plus donc aux yeux de madame. Mais là n'est pas l'important, c'est moi l'important, c'est Nathalie. Je veux que Nathalie donc elle comprenne que c'est une maladie, mais donc il faut qu'elle se préserve. Parce que donc moi j'ai fait souffrir mes parents, j'ai fait souffrir ma famille quand ils m'ont vu, en fait c'était une déchéance complète. Et j'ai pas envie que Nathalie donc subisse en fait cette douleur. C'est le message que j'entendais en fait lui faire passer. Et voilà, donc elle a une chance, c'est la force de l'amour. Donc elle l'aime, c'est très beau, c'est très bien, mais elle ne pourra jamais, s'il ne se prend pas en main lui-même, elle ne pourra jamais donc en fait l'accompagner jusqu'au bout. C'est à lui de prendre sa décision. Oui. C'est à lui de se faire accompagner. Et je vous dis donc, la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur ce thérapeute qui était donc extraordinaire, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait comprendre. Il m'a fait rire une fois parce qu'il m'a dit que l'alcool, c'était l'antidépresseur, le non remboursé par la Sécu. Ah bah oui, puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le mauvais médicament, par excellence. Voilà. C'est le médicament le pire qu'on puisse trouver. C'est le médicament, mais non remboursé par la Sécu. Et puis surtout, en vente libre absolument partout. Exactement. Mais tout ne viendra que de lui, mais qu'elle se protège. J'ai apprécié vos propos au départ. Certains, peut-être, l'ont entendu peut-être dur. Oui. Mais c'est des propos donc, que m'ont tenus mes parents au départ. C'est-à-dire Que donc, en fait, c'était à moi de me prendre en charge, que si mon couple allait à volo, c'était mon problème, alors que le problème était votre. Mais peu importe. Mais je l'ai entendu et c'est là où j'ai accepté de rencontrer quelqu'un. Il faut se faire aider. On ne peut pas rester seul. Bah oui. C'est pas donc. On ne peut pas rester seul. C'est énorme. C'est important. Et vous voyez, donc, j'ai la chance de m'en être sorti. Alors, on vit toujours, donc, alcoolique toujours, alcoolique un jour, alcoolique toujours. Non, je ne suis pas d'accord. Me semble-t-il. Mais ça m'agace, vous ne pouvez pas savoir. Mais oui. Ça m'agace. Alors, Monique disait, je suis alcoolique abstinente. Parce que, en fait, ce dont on parle, ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est tout simplement la fragilité. Mm-hmm. La fragilité qui persiste. Reste... Mais il faut se faire aider, il faut être accompagné. Alors, c'est vrai que, par exemple, les alcooliques anonymes, ce qui est formidable avec eux, c'est qu'il y a une dynamique de groupe. Vous dites, ce qui est important, c'est de se faire accompagner. Et quand on prend l'habitude de fréquenter les groupes proposés par les alcooliques anonymes, on n'est plus jamais seul, parce qu'on a des personnes avec lesquelles on peut partager, avec lesquelles on peut se retrouver, avec lesquelles on n'a pas honte, parce qu'on est tous dans le même bain. Exactement. Qu'on traverse le même combat, on sait chacun ce par quoi passe l'autre, et puis ça permet de pouvoir s'épauler, d'appeler quelqu'un lorsqu'on se sent faiblir ou lorsqu'on pense qu'on va faire une rechute. Maintenant, je pense que, je crois que vous le savez, Roland, mais il y a aussi le groupe qui les Alanons, je crois, qui eux proposent, c'est-à-dire que ce sont pour les proches des personnes qui sont atteintes de la maladie alcoolique, et qui explique aussi, voilà, pour les accompagner, pour expliquer comment faire, comment s'en sortir. Et ces groupes sont aussi d'un très très grand soutien, parce que c'est vrai que face à quelqu'un qui énorme, est malade, mais oui, on est très démuni, on sait pas quoi faire, on est impuissant, on n'a pas forcément la bonne réaction, voilà. Alors tout à l'heure, je voudrais être clair, hein. Parce que je voudrais pas justement que mes propos soient mal interprétés. Moi, je dis qu'il faut lâcher la personne, mais quand on a tout essayé, c'est-à-dire quand on a apporté amour, dévouement, soutien, aide, accompagnement, voilà. Et souvent, on le fait pendant de nombreux mois, voire des années. Mais quand on y va jusqu'à l'épuisement,
je vous rejoins, il y a un moment où il faut penser à soi et où il vaut mieux lâcher, parce que lâcher est aussi thérapeutique que d'accompagner, même plus thérapeutique. Donc on lâche quand on a tout essayé, on lâche pas avant bien sûr. Non, c'est là-dessus que je voulais, c'est là-dessus que je voulais revenir, parce que vous avez dit... Non, mais au contraire, c'est là où je vous suis, parce que ça peut être également par rapport à la personne. Donc, vous savez, quand vous êtes materné, au bout d'un moment, parce que c'était le cas, enfin, d'après ce que j'ai compris de Nathalie, mais la personne, elle rentre dans une situation de confort. Et il faut une prise de conscience au bout d'un moment. C'est-à-dire que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi donc tout part à volo? Et pourquoi donc j'en suis à ce stade? Et je pense que... Mais il faudrait franchement, si Nathalie m'écoute, hein, qu'elle prenne conscience que il faut qu'elle se protège. C'est pas donc en l'accompagnant de fait. C'est ce qu'elle fait, donc c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation. Mais ça ne suffira pas. Non seulement ça ne suffira pas, mais ça n'aidera pas au bout d'un moment. Et c'est ce que je lui disais. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle essaye. Parce que donc la personne se situe après dans une situation de confort. Après tout, donc elle est toujours avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est ça donc en fait. Et je pense que c'est une maladie, donc elle peut l'accompagner. Ce qui est bien, donc vous l'avez cité donc également, c'est qu'elle puisse aller voir donc ensemble peut-être une personne donc pour l'aider, donc un addictologue ou autre, pour l'aider dans sa démarche et voir donc ensemble ce qu'ils peuvent faire. Oui. Et puis je rappelle aussi que les Alcooliques Anonymes et les Al-Anon, c'est gratuit, hein. On paye rien. Oui. Voilà, on fait un don. On donne un peu si on a envie et si on peut pas, ben on donne pas. Donc c'est assez formidable aussi pour ça. Oui, et pour tout vous dire, donc moi, tout à fait donc par hasard, donc j'arrive dans une ville, donc je vois donc Vie Libre. Enfin, c'était une association également pour donc se couper en fait de l'alcoolisme, de cette addictologie. Et donc je suis rentré, j'ai poussé la porte, mais un local qui ressemble à rien. Et je rentre en fait là-dedans et j'ai eu donc un contact en fait très très donc important avec une personne et qui m'a expliqué donc comment il fonctionnait et ce qu'il en était. Donc il y a beaucoup d'associations en fait en France qui permettent de se sortir de cette maladie. Je préfère parler de maladie que de... Tout à fait, de cette maladie. Ouais. L'addiction c'est une maladie, hein. Ah oui, on est d'accord là-dessus. Alors écoutez, ça pas... et c'est très difficile de s'en sortir. Mais il faut vraiment. Mais on s'en sort, mais on s'en sort, on s'en sort. Mais on s'en sort. On s'en sort. Voilà. Mais tout à fait. Et je suis contente que vous ayez appelé pour témoigner de votre histoire. Est-ce que je peux vous demander ce que vous vivez aujourd'hui, Roland? Parce que je vois que vous êtes jeune. Jeune, excusez-moi, j'ai 53 ans. Mais je trouve ça jeune. Excusez-moi, c'est le très très bel âge pour un homme. Racontez-moi ce que vous vivez. Parce que je vis donc une relation formidable avec ma fille. Donc, j'avais pas vu parce que. Problème, donc séparation donc avec la maman, addictologie, et donc ma fille qui a 17 ans actuellement, que je revois, donc qui est hyper heureuse en fait de me revoir normal. Ouais. Et voilà, donc et puis donc je mange la vie. Vous mangez la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous avez... Oui, je travaille. J'ai toujours mon activité professionnelle. Ouais. J'ai changé de région. Je me suis rétabli dans une autre région. Mais donc, je mange la vie dans la mesure où je fais de la natation. Enfin, je sors, je vois des amis. Je fais partie d'une association où je m'occupe en fait de plein de trucs. Non, c'est extraordinaire. Je redécouvre la vie. Bah, c'est formidable. J'ai une autre vie. Mais écoutez, oui. Voilà. Moi, j'ai vécu donc des passages donc difficiles, mais je revis donc une vie extraordinaire. Et je veux dire à Nathalie donc franchement qu'elle fonce, mais que les conseils que je lui ai donnés, qu'elle les applique. Parce que donc voilà, j'ai entendu beaucoup parler de personnes qui parlaient d'elle, mais peu qui parlaient de Nathalie, et je pense beaucoup à Nathalie. Elle aussi, elle a besoin d'aide. Je vous remercie de votre appel, Roland, et puis je vous remercie de votre aide, et merci aussi pour ce témoignage, parce que ça aide, et puis surtout, ça rend optimiste quand vous dites que vous mangez la vie, et ben, écoutez, on a envie de vous suivre, et de faire comme vous. Merci à vous, et surtout, merci pour votre émission, parce que j'écoute énormément, donc, soit comme ça, soit en podcast.
mais tout simplement parce que je travaille la nuit beaucoup. Ouais. Et je tiens à vous remercier parce que. Bah, c'est vous qui l'a fait cette émission. N'oubliez jamais que sans les auditeurs, cette émission, bah, elle n'existe pas. Ouais, c'est énorme ce que vous faites, c'est énorme. Merci à vous. C'était une fois que je devais intervenir, c'était ce soir. Ah bah, je vous remercie. Vraiment, ça nous touche. Merci. Au revoir, Roland. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39-21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Benoît, vous êtes avec nous. Bonsoir. Je suis contente de vous entendre parce que vous aussi vous souhaiteriez témoigner. Oui, exactement. Éventuellement avoir un peu d'aide surtout. C'est dire assez simple, mais malheureusement non. Addiction cannabis plus alcool depuis que j'ai 15 ans et j'en ai 35 aujourd'hui. J'ai deux enfants, je suis marié, mais je sens que je mets en péril beaucoup de choses en ce moment. Et donc voilà, je suis tombé par hasard, je suis pas une adepte de l'émission, non pas que j'aime pas, mais j'en ai jamais l'occasion. Et une discussion m'a fait ça. Discussion compliquée aujourd'hui avec mon épouse m'a fait prendre conscience de certaines choses et prendre la voiture par hasard à des heures où j'en ai pas l'habitude et je suis tombé sur l'émission. Donc je l'écoute attentivement et je suis confronté à plein de difficultés. J'ai conscience d'une maladie, mais je trouve pas la force de. Enfin, je trouve pas le moteur pour sortir de là. Je me dis toujours que c'est pas si grave, que c'est pas énorme, que ça. Voilà. Et sauf que ça fait plus de la moitié de ma vie aujourd'hui où je consomme et je me rends compte que j'ai encore une fois 35 ans, deux enfants et j'en suis pas sorti alors que je pensais que ce serait impossible il y a quelques années encore. Bien sûr, en fait, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que vous consommez. Vous avez dû commencer à 15 ans, donc vous n'avez pas commencé seul, j'imagine. C'est un peu c'est un peu un rite initiatique. Si on n'en fait pas partie, on n'a pas les copains. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, on voit les mêmes personnes qui, j'allais dire tous, mais oui, tous aujourd'hui n'en font pas là où je suis. Ah bon, eux ont arrêté. Ouais, complètement. Ouais. Comment ont-ils fait? J'en sais rien. Non, vous leur avez pas posé la question, ou ça s'est pas trouvé, ou vous n'avez non, pas. Non, ça s'est pas trouvé. Après, je connais encore des gens qui ont la même consommation, mais c'est très 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 peu, et je me rends compte que je suis en marge. Je m'en rends pas compte souvent, et en fait, face à des vérités qui font mal à entendre, j'entendais. J'ai pris l'émission en cours de route quand il y avait la personne qui avait son mari ou son conjoint alcoolique depuis 6 ans. Effectivement, je vous ai trouvé très dur et c'est un peu le discours qu'avait mon épouse ce soir, pour la première fois de sa vie d'ailleurs, à me tenir des propos assez durs. Mmh. J'ai conscience de quelque chose depuis longtemps. J'ai essayé de voir des gens. J'ai réussi à arrêter une semaine en vacances à l'étranger parce que j'ai pas pris l'option. Parti loin à l'étranger pour voyage de noces, mais toutes les autres fois où je pars à l'étranger, en Europe et compagnie, je suis. Je prends ce qu'il faut et du coup voilà, je rentre dans un cercle vicieux où ça me paraît pas anormal alors que ça l'est totalement à l'âge que j'ai. Je peux vous demander avec ce que vous consommez exactement quand vous dites que vous prenez du cannabis, vous en prenez avec quelle fréquence, combien? Oh, aujourd'hui je suis dans un rythme où ça va être 2 ou 3 par jour. Ah oui, quand même. Mais voilà, j'ai tendance à le dire d'un ton comme si c'était léger, mais c'est pas la journée. J'ai un boulot, je suis cadre dans une belle boîte. Enfin, c'est-à-dire, il y a quelque chose derrière qui sert de cadre. Voilà, j'ai une... un contenant. J'ai une cellule familiale tout à fait normale, pas de difficultés premières. Pas ou peu de personnes confrontées aux problématiques que j'ai dans la famille. Et ma grosse peur aussi, c'est que je m'aperçois que j'ai un problème, mais je trouve pas la force aujourd'hui de me dire j'arrête tout et pourquoi je serai mieux après. Oui, en fait, vous vous dites pourquoi est-ce que j'arrêterais, je suis pas si mal. C'est ça, exactement. Si ce n'est que si votre femme vous en parle aujourd'hui, c'est bien parce que
Elle est fatiguée. Elle est fatiguée de quoi? D'un comportement qui est un comportement un peu irritable. Qu'est-ce qui l'amène à vous parler? Et l'impulsivité, notamment quand j'ai pas encore fumé, et le fait qu'à 35 ans avec deux enfants, on s'est connus jeunes. J'avais 17 ans, elle en avait 16. On a toujours suivi le même chemin. Et voilà, elle me dit qu'aujourd'hui, il est plus pensable que son mari fume du cannabis et ait tendance à prendre 2, 3, 4 verres très régulièrement. Et celui qui est le plutôt premier à dire, on fait un pot, on fait un truc, on boit un coup, enfin... Vous en avez besoin de l'alcool? Oui, malheureusement, j'ai le sentiment que oui. Mmh. Alors c'est là où on voit la maladie. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'en passer. On n'arrive plus à s'en passer. Puis quand on rentre chez soi, on a absolument besoin d'un premier verre pour se sentir bien. Le deuxième désinhibe. Et le troisième, on se dit, de toute façon, ça n'a plus d'importance parce que, puisqu'on est désinhibé, on trouve que plus rien n'a d'importance et pourquoi pas trois et pourquoi pas quatre. Mais il finit même par, je le dis là, mais peu importe, mais. Je me vois même dans des situations, un repas de famille, où je vais avoir de quoi boire un coup dans la voiture et je vais en fait anticiper le fait d'être un peu alcoolisé pour avoir l'impression que je serai mieux. Mieux auprès des autres, mieux auprès de moi-même, un peu désinhibé, un peu sans complexe. Et donc j'en suis dans une spirale où je m'aperçois de choses que je fais, mais je me vois en fait comme si j'étais de l'extérieur, mais j'arrive pas encore à trouver la force de m'en empêcher. Je sens que je peux mettre des choses en péril, et notamment l'équilibre, le mariage. Enfin, voilà, il y a des sujets. Ce qui me fait peur, c'est ce que j'ai entendu aussi avec les témoignages précédents. C'est toute la souffrance des gens autour qui, finalement, pour le premier concerné, n'est pas importante parce qu'on s'en rend pas compte. Et quand c'est face à nous, c'est trop tard. Alors, vous savez, c'est important ce que vous décrivez comme symptômes, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Je parlais du déni. Mmh. Pourquoi faire? C'est pas si grave. C'est ça, le déni. C'est exactement ça. Et ça, c'est le premier symptôme de la maladie. Mmh. C'est-à-dire que ce que je fais, moi, n'a pas tellement d'importance. Mmh. Alors, la seule chose qui m'ennuie, voyez-vous, c'est que vous dites que vous conduisez et que vous conduisez en ayant pris, soit en ayant fumé, soit en ayant pris de l'alcool. Et ça, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en danger? Oui, quand vous le dites. Après, attention, comme si c'était pour atténuer la dangerosité de l'action. Non, enfin, oui, j'en ai conscience. Après... Non, mais vous allez me dire, je suis pas ivre quand je prends le volant. Ça, on est bien d'accord. Mais vous avez déjà, que vous le vouliez ou non, vos facultés altérées. Oui, c'est sûr. C'est ça le problème. Donc, non seulement vous êtes vous-même en danger, mais vous risquez aussi de mettre en danger d'autres personnes. Oui. Je suis pas là du tout pour vous faire un cours de maintien ou un cours de morale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez conscience de ce que c'est que le déni. Et le déni, c'est exactement ce qui vient de se produire là. C'est quand vous m'avez dit, attention, je suis pas, voilà. Oui, oui, oui. Voilà. C'est très symptomatique, c'est typique de le attention, je suis quand même pas dans cet état. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on écarte la dangerosité de ce qui est en train de se passer. Et c'est là où, justement, précisément, on est en danger. Mais je... En fait, quand je me pose les bonnes questions, je me rends compte. Mais même encore aujourd'hui, alors que pourtant, c'est la démarche de vous appeler, chose que j'ai jamais fait de ma vie, et je le fais bien discrètement en espérant que madame ne m'entende pas. Enfin, peu importe, mais voilà, c'est quelque chose qui c'est difficile pour moi. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Si jamais elle vous entendait, ça lui ferait plutôt très plaisir. Parce que ça voudrait dire, je suis conscient et j'ai envie de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Mais en fait, je suis conscient, mais je ne trouve pas le bonheur en ne consommant plus. Enfin, je n'arrive pas à... Je ne sais pas comment m'exprimer, si vous laissez. Si, j'ai très bien compris. Vous en avez besoin pour vous sentir vivre, exister, être heureux. Mmh.
C'est ça. Enfin, je ne vois pas ce que j'y gagnerais. C'est horrible à entendre et à dire, mais... Alors, je vais revenir sur un point essentiel, c'est-à-dire que l'alcool, comme le cannabis, avec le rythme auquel vous consommez, déprime. Donc, ce que vous me tenez là comme propos, ce sont des propos, et vous n'en avez absolument pas conscience, de quelqu'un qui est plutôt, j'ai envie de dire, désabusé, je ne vais pas dire déprimé, mais désabusé, et qui ne voit pas en quoi il serait mieux en arrêtant. Mais ça, c'est du cynisme qui est induit par la consommation. C'est, si vous voulez, ça provoque cet état d'esprit. Et ça aussi, c'est un symptôme. Alors, vous vouliez éventuellement, j'ai envie de dire, des astuces. C'est pas des astuces, c'est qu'il y en a une très simple et on en a parlé. Voilà, c'est simple. Vous avez bien remarqué que quand vous buvez, après avoir bu, vous n'êtes pas dans le même état qu'avant d'avoir bu. On est d'accord? Ok là-dessus? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire qu'il y a une action pharmacologique sur le cerveau. Une action pharmacologique, ça veut dire que l'alcool agit, provoque une réaction, vous n'êtes pas dans le même état après qu'avant. Donc il y a bien, je dis pas non pas une altération, mais une transformation de votre état et de votre humeur. C'est donc bien que l'alcool a un véritable effet. Oui. Pareil pour le cannabis, on est d'accord? Oui. Bon, alors, imaginez-vous que ce cerveau, il a pas... Parce que le cerveau est un organe, et c'est ça, et il faut pas l'oublier, que ce cerveau, il ne subit pas comme ça une transformation juste par le Saint-Esprit. Hein. C'est bien qu'il y a un produit, c'est bien qu'il y a des substances chimiques actives derrière tout ça, qui vous flinguent les neurones, et qui vous laissent penser que malgré tout, vous êtes mieux en ayant pris qu'en en ayant pas pris. Mais ça vous flingue les neurones, ça vous pouvez me croire, au fur et à mesure. Donc, pour vous faire comprendre de tout ça, puisque le cerveau est un organe et que vous voyez bien qu'il y a un effet, il n'y a qu'une seule chose à faire, Benoît, c'est d'aller voir un médecin, c'est d'être dans un univers médical, médicalisé. Parce que là, vous allez prendre conscience à qui on donne des médicaments. On donne des médicaments aux gens qui souffrent de quelque chose, qui sont malades. On ne donne pas des médicaments à des personnes qui sont en bonne santé et qui n'ont rien sur le plan ni physique ni psychique. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, à la minute où un médecin vous donne un médicament, c'est que vous nécessitez ce médicament et c'est qu'on est déjà dans le registre de la pathologie. Et la pathologie, encore une fois, vous n'avez pas à en avoir honte, parce que quand on est malade, eh ben, on se fait soigner et on n'est pas responsable de sa maladie, parce que tout seul, encore une fois, et tout à l'heure on a eu Roland d'ailleurs qui nous a livré un très très beau témoignage, ouais, que vous avez dû entendre, et qui a dit tout seul on peut pas s'en sortir. Et moi je m'en suis sortie non seulement avec l'aide d'un thérapeute, mais aussi avec l'aide de médicaments, parce que tout seul vous ne verrez pas. Moi ce que je peux vous dire. Mais c'est un peu comme si j'étais Miroshka, parce que je vous parle d'un futur auquel pour l'instant vous ne croyez pas. C'est-à-dire que quand vous aurez tout arrêté, vous serez mieux qu'en consommant. Vous serez plus heureux, vous serez soulagé et vous aurez un autre appétit de vivre. Écoutez ce qu'a dit Roland. Aujourd'hui, je mange la vie. Voilà. Et vous allez profiter davantage de vos enfants, de votre femme, et surtout, vous ne mettrez plus votre famille en péril. C'est sûr. Et c'est difficile à croire aujourd'hui. Après, il faut... Non, les démarches sont nécessaires, c'est sûr. Bah, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre rendez-vous chez un médecin, un généraliste d'abord, ou de vous renseigner dans un hôpital. Dans tous les hôpitaux, il y a maintenant des centres d'addictologie ou d'alcoolologie. Vous pouvez vous faire aider, comme on peut se faire aider pour la cigarette, mais c'est moindre, la cigarette, par rapport... parce que ça, il n'y a pas de transformation de l'état. Tandis que avec l'alcool et avec le cannabis, oui. C'est sûr. Et si vous voulez, ça vous amène aussi, ça va avec, à avoir des conduites à risque. Parce que quand vous conduisez en ayant ingurgité un peu d'alcool ou en ayant fumé, ça s'appelle une conduite à risque. C'est, si vous voulez, comme si vous recherchiez d'une manière ou d'une autre la correction, on va dire, la limite qu'on peut vous poser. Or, vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger pour vous sentir exister, pour vous sentir vivre. Ah, mais là, c'est tellement une habitude de
dans le temps que je vais vous dire un truc tout bête. Vendredi, on reçoit des amis. Je m'imagine pas aujourd'hui. Alors attention, hein, je m'imagine pas non plus me rouler sous la table et puis être ivre mort. Mais je m'imagine pas ne pas effectivement prendre l'apéritif, par exemple. C'est à aujourd'hui. Je sais que je suis malade. Je sais que il y a quelque chose à faire maintenant avant qu'il soit bien trop tard. Mais c'est encore ce bon. Je pense qu'effectivement des centres, vous parliez de l'ANPA, j'ai regardé tout à l'heure sur internet pour prendre contact avec ce type d'association également. Mais c'est là où je suis sur un paradoxe où je sais qu'il y a un problème, mais je me sens pas la volonté de tout faire pour y arriver. J'aimerais, hein, c'est certain. Mon épouse me disait que c'était qu'une question de volonté. Non, c'est pas juste une question de volonté. Non, c'est pas une question de volonté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout seul, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide, et qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Alors, par exemple, si vous fréquentez une de ces associations, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura des groupes de parole où vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ressentent au départ la même chose que vous et qui vont expliquer aussi leur progression. Pourquoi elles ont décidé d'arrêter? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que... Oui, c'est sûrement ça qui peut me faire aussi... C'est la dynamique de groupe. Non, puis c'est l'habitude. Le problème, c'est que maintenant, je ne vois pas les choses sans... je l'envisage, plus du tout me fait peur. Le fait d'arrêter de consommer me fait peur, de me dire si plus jamais, jamais. Mais, alors écoutez, c'est vrai qu'il y a des solutions très radicales, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure, si vous avez suivi un tout petit peu l'émission. On a eu Monique, une auditrice, qui a dit c'est plus jamais, il n'y a plus jamais d'alcool, même dans les sauces, même dans tout ce que vous pouvez imaginer. Ok, moi j'ai envie de vous dire que je suis un peu moins radicale. On peut être abstinent totalement, et puis on peut aussi observer un an et demi d'abstinence, et ensuite consommer avec une infinie modération. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Bah, comme mon épouse qui va pas chercher à prendre, enfin, qui consomme d'une manière très très rare, mais voilà, dans l'aspect festif de la chose, sans atteindre un état de d'ébriété. Oui, c'est ça. Ouais, mais néanmoins, elle y prend plaisir. Mais après, bon, il s'agit en fait, si vous voulez, d'éliminer l'alcool de votre quotidien. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, à l'occasion, quand vous avez des amis, effectivement, vous n'allez pas sortir un petit verre, une bouteille, et vous n'allez pas passer un bon moment entre amis ou en famille. Mais quand c'est... Oui. Voilà, c'est pas plus jamais. Il faut vous dire que ça sera pas plus jamais. Pendant un an, c'est pas du tout. Ça, c'est sûr. Pendant un an, c'est pas du tout, de façon à ce qu'on puisse totalement vous sortir de la maladie. Après, vous n'êtes plus malade, vous êtes convalescent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est convalescent? Ben, on fait attention. Ouais. C'est logique. Ouais, c'est logique. Ouais. Mais je crois que d'abord, il faut passer par la phase médicale. Parce que seulement un médecin va pouvoir vous dire écoutez monsieur, voilà ce que vous risquez. Ok, alors vous êtes, et c'est vrai, père de famille. Vous avez deux enfants aujourd'hui qui sont là parce que vous avez voulu qu'ils soient là. Quel âge ont-ils? 4 et 2. Bon, bah vous imaginez, on a quand même deux petits bouts qui comptent sur vous. Mais je aujourd'hui j'ai une trouille bleue de la maladie. Bah oui, donc mais ça va pas avec que, alors que vous êtes malade. Et puis de la maladie oui. depuis tant d'années de consommation de cirrhose, de cancer et autres choses. Mais j'en ai une trouille bleue en me disant si ça tombe pas sur moi, ça je m'en sors bien quoi. Mais oui, ça, c'est des choses qui me travaillent, qui n'ont pas encore été suffisamment déclencheurs de d'abstinence totale. C'est ça qui est compliqué. C'est ce paradoxe-là que j'ai du mal à expliquer et assumer. Ouais. J'ai conscience de tout ce que j'entends, de tout ce que je constate, du risque que je fais prendre à moi et aux autres, mais j'ai encore du mal à faire que ce constat-là devienne le moteur pour arrêter totalement. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait? Est-ce que, par exemple, vous voudriez prendre rendez-vous chez un médecin et emmener votre femme avec vous de façon à ce qu'elle puisse lui expliquer, que vous puissiez parler avec lui, que le médecin vous explique aussi à vous ce que vous risquez?
toute façon, je pense que là, il faut essayer un petit peu toutes les solutions pour sortir de ça, c'est sûr. Mmh. Peut-être c'est que sûr. Dans... Alors, est-ce que vous avez le sentiment que d'y aller avec votre femme, ça vous infantiliserait? Non, mais je voudrais pas la mettre devant des choses qu'elle... Alors, que je pense qu'elle ne voit pas. Ouais. La femme, enfin, Monique, ou je sais plus, disait oui. qu'elle voyait plein de choses. Bah, mon épouse voit plein de choses. Je veux bien croire qu'elle ne voit pas tout. Enfin, vous espérez qu'elle ne voit pas tout aussi. Ouais. Donc après, je sais pas. Est-ce que c'est une démarche qui se doit d'être totalement personnelle pour justement ne pas à nouveau l'impliquer dans ces complexités-là et de ce fait pas être entre guillemets fier de s'en sortir seul, pas seul. Enfin, moi tout seul, mais sans elle pour le coup, puisque je sais que moi, elle supporte effectivement pas mal de choses depuis des années, sans rien dire d'ailleurs, c'est ça qui est toujours étonnant quand ça arrive d'un coup. Bah, c'est vous dire à quel point elle vous aime. Hein. Oui, je pense effectivement, pour avoir supporté tout ça depuis des années et accepter qu'il y ait des comportements qui soient particuliers, oui, c'est sûr. Alors, j'ai des auditeurs qui me posent la question. Est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, des raisons de consommer? Sur le papier, non. Entre guillemets, hein, j'entends, mais j'ai, vous parliez d'un manque ou d'une quelque chose pour combler. Vous parleriez plutôt d'habitude. Oui, parce que je ne veux pas dire que ça contente tout le monde, mais j'ai une famille unie, je n'ai pas de soucis... familiaux, de santé, personnel. J'ai une vie tout à fait normale, entre guillemets, mais dans le sens du terme, des enfants en bonne santé. Vous êtes heureux dans votre travail? Ah oui, complètement, ouais. Oui, non, vraiment, je cherche pas à gommer quelque chose, à part peut-être à l'époque, au démarrage, une personnalité qui a eu besoin de se désinhiber un petit peu. Ben moi, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que quand vous parliez de la famille, en disant « je prends un verre par anticipation pour me sentir mieux », je crois que ça révèle un manque de confiance. Comme si vous aviez peur de ne pas être assez brillant, pas assez à la hauteur, pas assez, peut-être pas assez aimé aussi, ou reconnu. Quelque chose de cet ordre. Moi, j'ai envie de vous conseiller deux choses, Benoît. La première, c'est de prendre rendez-vous chez un médecin et de le dire à votre femme en disant « j'ai entendu ce que tu m'as dit ». Et sache que j'ai pris rendez-vous aujourd'hui parce que tu as raison, je vais essayer d'arrêter, mais c'est pas une question de volonté, tout seul c'est très compliqué et je crois que j'ai besoin d'un traitement. Mmh. Voilà. Donc ce qui va faire que du coup elle va vous soutenir. Ah, du oui, coup elle pense, va vous oui. aider, du coup elle va vous soutenir et elle va arrêter de vous juger, et elle va arrêter d'être dure. Parce qu'on accompagne quelqu'un qui fait la démarche. On lâche quelqu'un qui ne fait rien, mais on accompagne quelqu'un qui fait la démarche. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, c'est sûr. Puis c'est pas faute d'avoir essayé depuis quelque temps de mettre les réalités en face, mais je les ai pas vues. Ouais. Et puis ensuite, je crois que vous auriez tout intérêt à trottiner du côté d'un thérapeute. Parce que malgré tout, le fait de consommer et de dire « je vois pas en quoi je serais mieux », moi ça me met la puce à l'oreille. Et je crois qu'il y a comme un côté un peu cynique, un peu désabusé, qui fait que vous auriez, à mon avis, besoin de consulter. C'est jamais une démarche évidente et facile, mais de toute façon, il faut un peu tout essayer, j'ai envie de dire, mais... je l'avais fait il y a quelques années. J'ai pas eu le plaisir qu'a ressenti l'autre auditeur avec effectivement un thérapeute de qualité. J'ai pas trouvé l'intérêt dans la démarche. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'il y a sûrement des choses à faire. Moi, je vous conseille d'en voir plusieurs pour choisir celui ou celle avec laquelle vous vous sentez le mieux, le plus en confiance et surtout. Celui avec lequel vous avez envie de parler. Parce qu'on n'a pas envie de parler à tout le monde. On n'a pas envie de se livrer à n'importe qui. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, il y a forcément quelqu'un dont l'empathie, la chaleur vous sera... ce sera plus que quelqu'un d'autre, voilà. Et non, c'est ce qui vous amènera. Parce que tout seul, c'est compliqué. Et il faut une vraie équipe. Seul, un médecin tout seul, ça ne suffit pas. Il faut un thérapeute. Mmh.
parce que c'est compliqué d'arrêter. Voilà, je préfère vous le dire. C'est pas simple. D'ailleurs, tous les auditeurs qui ont témoigné ce soir le disent. C'est compliqué d'arrêter. C'est même, c'en est même violent de se faire entre guillemets souffrance parce non, qu'on a l'impression qu'on est mieux sans. On a l'impression qu'on est mieux sans. Mais je vais vous dire mieux, c'est pas le sevrage qui est compliqué. Croyez-moi, c'est pas le sevrage. Au bout de 10-12 jours, vous n'aurez aucun manque physique. Et pendant les 10-12 jours, voire 15, grand maximum, on va vous donner de quoi colmater complètement les effets du manque. Donc c'est pas le sevrage qui va être dur. Ce qui est dur, c'est après. C'est de ne pas reprendre. Et là, c'est dans la tête que ça se passe. C'est pas juste avec le médecin. Alors le médecin, il va vous aider, bien sûr. Il va vous donner un traitement qui va vous aider à juguler ses angoisses, ses pensées obsédantes, le fait que vous ayez absolument envie d'y retourner. Voilà ce que va vous donner le médecin. Mais ce qui va vous accompagner réellement, nous soyons clairs, c'est la thérapie. Hein. Ouais. Parce que sinon, effectivement, la tentation, l'envie d'y retourner, elle est très très grande et c'est dur de lutter seul. Et si vous le pouvez, moi je ne peux que vous conseiller une association, celle que vous voulez. Elles sont toutes bien. Il y a au sein de toutes des gens de qualité. Donc ne restez pas seul avec ça parce que, encore une fois, la dynamique de groupe et le fait de rencontrer, de parler avec des gens qui sont passés par les mêmes épreuves que vous ou en tout cas par le même contexte, croyez-moi, ça aide. Et ça aide aussi à prendre conscience de la maladie et de sa gravité. Et de ne plus être dans le déni. Ouais. Et de l'intérêt. Non, c'est sûr, de toute façon, là, c'est vrai que la démarche initiale de prendre le téléphone a été... était particulière déjà, donc oui, il ne faut pas lâcher non. C'est le moment. Non. Voyez-le comme un signe. Oui. Vous avez une discussion, vous avez écouté la radio, vous n'auriez jamais pensé appeler, mais vous l'avez fait. Voilà. C'est vrai. je crois qu'il vaut mieux le voir comme ça. C'est sûr. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que... vous y réfléchissiez et puis que vous nous rappeliez d'ici quelques temps pour nous dire comment ça s'est passé pour vous, parce que c'est vraiment bien pour les auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent, de savoir qu'effectivement on peut s'en sortir, parce que vous allez vous en sortir. Avec plaisir. D'accord. Oui, bon, bah écoutez, je vous remercie. Merci de nous avoir appelé et puis je vous souhaite vraiment bonne chance. C'est gentil, merci. Merci, au revoir Benoît. Au revoir. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute. Voilà, on va poursuivre avec Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Marie, je suis sur antenne. Vous êtes complètement avec moi. D'accord. Moi, je vous appelle parce qu'il n'y a pas tellement longtemps que j'écoutais votre émission, parce qu'effectivement, c'est les bleus là, qui monopolisent tout le monde. Et j'écoutais votre émission en faisant mon repassage. Ouais. Et j'entendais donc des gens qui avaient des problèmes d'alcool. Oui. Et moi, je suis passée par cette période. Oui. Surtout en 94, quand j'ai su que ma fille avait un handicap physique, enfin moral plutôt. Ah, ça, c'est et terrible. Donc, comment ? Ça, c'est terrible. Et effectivement, je comprends que ça puisse jeter dans la détresse. Oui. Et puis également un divorce cette même année. Et je m'étais mise dans l'alcool et tout pour essayer de combler tous les problèmes que je n'arrivais pas à résoudre, de lui trouver un établissement IME pour l'intégrer et tout. Et si vous voulez, mes parents se sont mis contre moi parce que je m'étais mise dans l'alcool. Et puis, un jour, j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique pour ce problème-là. Et là, j'ai réalisé qu'on allait me retirer mes enfants. Et donc, j'ai réagi et je me suis retournée contre un centre qui pouvait accepter. J'ai fait un courrier très personnel. En disant que j'étais dans la détresse, parce que quand vous parlez de maladie, pour moi je pense que c'est aussi quand on peut se retrouver dans un cas difficile. Mais bien sûr, évidemment, quand on n'en peut plus de la vie, de l'existence, qu'on ne sait plus à quel sens se vouer et qu'on est totalement désespéré, bien sûr. Et démuni. Et oui.
voilà, démunie parce que bon, bah, j'étais dans le divorce, j'avais cet enfant qui était handicapé et donc et je me suis retrouvée hospitalisée. Ça a été très très dur. Et là, j'ai réalisé que mes parents faisaient le nécessaire pour me retirer mes enfants. Enfin, pour donc c'est très, très difficile. Donc du coup, j'ai été donc hospitalisée. Et là, j'ai fait appel à un centre qui existait à cette époque-là. J'espère qu'il existe encore, qui se trouve donc à Royan. Oui, tout à fait. C'est une post-cure. C'est, je sais pas trop. C'est le centre Alpha. Oui. Qui n'a rien à voir avec un centre post-cure, parce que moi j'ai entendu des gens. Ouais, qui sont allés justement dans des à Tours et tout ça, donc se faire se désalcooliser en fin de compte. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que ce centre était très intéressant parce qu'on faisait de la PNL. Et en fin de compte, au début, c'est un centre de, enfin, au début, la première semaine, on se retrouve une douzaine de personnes et il faut expliquer devant les gens quel est le problème de l'alcool et tout, et après on travaille en individuel, et c'est vraiment très intéressant parce que moi on m'a fait ressortir qu'en fin de compte j'avais mes parents qui étaient très présents, qui comprenaient pas mon problème d'alcool et qui me pourrissaient un petit peu la vie. Et en fin de compte, moi j'en suis sortie au bout d'un mois vraiment très contente. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, la vie a continué et puis moi je vis maintenant normalement. C'était vraiment quand je suis ressortie de là, je me suis vraiment sentie très très bien. Ah oui, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand vous êtes sortie de là, vous ne touchez plus à l'alcool. Ah ben non. Non, parce que on m'a demandé si j'avais des problèmes et tout, et du fin de compte, j'ai expliqué que mes parents étaient contre mon attitude, plein de choses, et on m'a donné des clés, si vous voulez, j'ai fait de la PNL. Ouais, tout à fait. Parce que dans cet établissement, ils font de la PNL. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça, je pense que les gens qui sont dans l'alcool, en fin de compte, c'est parce qu'ils ont un problème au départ. Et qui ne s'en rendent pas compte. PNL, on découvre qu'on a vraiment des problèmes. Mm-hmm. La PNL, ça... alors je précise pour nos auditeurs, c'est la programmation neuro-linguistique. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste? Eh bien, moi, si vous voulez, c'était une contrainte entre mes parents et tout. Et on m'a fait comprendre que, en fin de compte, c'était mes parents qui... n'acceptaient pas l'handicap de ma fille, qui n'acceptaient pas mon alcoolisme, et qui m'ont donné des clés pour justement intervenir quand ils me posaient des questions ou quoi. D'accord, c'est-à-dire qu'on vous a appris comment leur répondre. On vous a pas donné les réponses, mais on vous a appris et on vous a donné la force de pouvoir surtout les affronter. Oui, parce que moi, je me sentais très faible, en fin de compte. Ouais, et seule. Je me sentais responsable de l'handicap de mon enfant, alors que j'étais pas responsable. Elle est née comme ça. Et le divorce, tout ça, j'arrivais plus à affronter. À un moment de temps, je n'arrivais plus. Vous avez ça faisait beaucoup. C'est-à-dire que le handicap, ce que vous cherchiez, un établissement pour la mettre, et le divorce qui est arrivé la même année, généralement, est-ce que le divorce, il a été concomitant avec la découverte du handicap? Alors, mon mari acceptait le divorce, sauf qu'il était militaire, donc il fallait quitter la caserne où on habitait. Donc, moi, je n'avais pas de travail. Étiez sans ressources. Sans ressources. Donc ça a été très difficile à vivre et je n'arrivais plus à surmonter tous les problèmes que j'avais. Ouais, et c'est pour ça. Et mon mari, si vous voulez, a fait une dépression, donc je n'avais plus d'aide. Ouais, vous étiez seule au monde. Oui, j'étais seule au monde, tout à fait. Ouais. Mais je peux comprendre, moi, que le désespoir amène effectivement à se tourner vers les solutions, même si ce sont les pires. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est oublier. Parce que quand je m'alcoolisais, en fin de compte, je me sentais vous arrêtiez. Et puis vous arrêtiez de penser. Et quand je ne buvais pas le lendemain, j'étais pas bien. Ouais. Écoutez, Marie, je vous remercie en tout cas de nous avoir appelés. Vous aussi, vous vous en êtes sortie et bravo. Bravo à vous. Je vous remercie de votre appel. Au revoir, Marie. Merci, au revoir. Il est une heure. Vous écoutez Europe 1.
Notre émission s'achève. Je vous retrouverai demain dès 22h30.